It's okay. Comme vous pouvez voir, le Spider-Man 2, il est prêt, il est ready. On y va. Moi, je vais juste changer sur ma téloche. Ouais, parce que je suis sur une téloche, les gars. Je suis un fou, je suis un malade. Et on y va. Un peu d'émotion. Je monte un peu le son. Vous entendez pas le retour du son, j'espère. Il n'est pas trop fort. On va voir. Ça vaut le coup ou c'est pas ouf le jeu de cartes? Je trouve ça très très bien, moi. PlayStation Studios. Ok les amis, je suis obligé de me mettre en condition. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je me découvrirai, au fur et à mesure de cette aventure. Je suis Spider-Bald. Bon, nouvelle partie, niveau difficulté, on a quoi? Spectaculaire, incroyable, sympa, quartier sympa, spectaculaire, incroyable. C'est quoi le sur gage qu'on vient aux joueurs cherchant une expérience de combat équilibré? Est-ce qu'on reste en incroyable, on a envie d'avancer? Bien sûr. Tu vas voir, ça attaque fort. Bah, j'ai hâte de voir, les gars. Moi, je vous le dis, ok, avant qu'on commence le jeu, je vous dis qu'est-ce que j'attends du jeu. Je sais très très bien au fond de moi qu'il s'agit littéralement d'une suite, d'accord? Donc il n'y a pas à être choc barre, il y aura sûrement des ajouts et tout ça, d'accord? Moi c'est l'histoire de l'araignée du quartier, les amis, d'accord? Moi c'est l'histoire qui m'intéresse ici, la suite avec Miles Morales, voir comment ça évolue. On est resté un peu en cliffhanger à la fin de les post-génériques qu'on avait eu sur Spider-Man. Donc voilà. Paramètres graphiques, on est sur quoi? Effet plein écran, ouais. Est-ce que j'ai vraiment des choses à modifier ou pas? La HDR, non, parce que sinon chez vous ça va faire dégueulasse. Sous-titres activés, évidemment. Appliquer les bonus de précommande, oui. Alors, j'ai pas de bonus de précommande, je vous le dis. J'ai pris la version plus deluxe, mon cul là, mais la version numérique à 90 balles. Voilà, hein, on n'achète pas souvent du jeu vidéo, mais quand on achète, bam, on claque des thunes. Ok, voilà. Je me mets en mode quoi? En mode performance. Sur quoi? FIFA 23 prêt à jouer, ça fait plaisir. Hein. Paramètres graphiques. Fidélité, performance. Ah oui, d'accord, pardon, fidélité. 30 images par seconde. Non, performance. Nous, on joue en 60, bien sûr. On joue en 60, les gars, c'est obligatoire. Vous devrez recharger le lobby. Eh bien, on va le faire. Voilà. J'ai toujours pas fait Miles Morales, ça vaut le coup selon toi? Oui, carrément, Hippon. Sachant que moi, Miles Morales, l'avantage, c'est que je l'ai pris avec le jeu PS5. En fait, tu prenais Miles Morales et t'avais le jeu PS5 dedans aussi, Spider-Man. Et comme moi, je l'avais pas fait sur PS4, ça m'a permis de tout avoir d'un coup. Donc, c'était plutôt cool. Voilà. Mais je crois que maintenant, il est sur PC. Mais vraiment, Miles Morales, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon, hein, je trouve. On y va? Nouvelle partie. En avant. Souhaitez-vous voir un résumé des événements précédents? Bien sûr, moi je vous propose qu'on se mette un petit résumé. Ouais, Pete. J'emplis mon inscription à l'université, là, et on me demande de me décrire dans un essai. Tu dois te vendre, surtout. Y a rien de pire. Et tu dirais quoi à ma place? Attends, je te montre. Salut, Peter Parker. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'une licence en biophysique. Et ma copine est la femme la plus géniale du monde. Tu te la pètes. C'est aussi la meilleure journaliste de la ville. C'est clair. Vive MJ. J'essaie de me montrer à la hauteur de l'autre femme la plus géniale du monde, ma tante May. Tu te la pètes encore? Pas mal. Et il y a longtemps, je me suis fait mordre par une araignée radioactive qui m'a donné des super pouvoirs. Je peux pas mettre ça dans mon essai. Attends, je tire juste le fil sans faire le tri. J'ai eu sacré Donald pour aider la ville et arrêter un tas de gens qui lui voulaient du mal. Comme mon mentor, le docteur Otto Octavius. Otto voulait se venger de son ancien collègue, Norman Osborn, en libérant une arme biologique sur la ville. J'ai fini par réussir à arrêter Otto, même au prix d'un lourd sacrifice. À toi, Price. C'est pas mal du tout. Mais je suis pas Peter Parker. Exactement. Tu es Miles Morales. Tu as 17 ans, tu es élève au lycée Brooklyn Visions. Quoi d'autre? Je dirais que... je donne quelques coups de main à ma mère qui travaille à Harlem. C'est la conseillère Rio Morales. Et il y a une fille que j'aime bien. Elle est impressionnante et inspirante. Et je pense que c'est une des meilleures artistes de la ville. Je vais vous monter le son du jeu si c'est passé. Aussi, j'ai été mordu par une araignée radioactive qui m'a donné des super pouvoirs. J'ai été formé par le Spider-Man d'origine. Dites, ça va comme ça. Mais c'est mon père qui m'a appris à être un héros.
Il s'est fait tuer dans l'attentat de l'hôtel de ville. Par Martin Lee. Martin Lee. En faisant le bien autour de moi, saloperie de Martin Lee. Je perpétue l'héritage de mon père. Mais c'est dur. Même avec des super pouvoirs, on peut pas toujours sauver ceux qu'on aime. Malgré tous nos efforts. Mais un héros n'abandonne jamais. Et c'est pas mon genre. Bien dit, Miles. Oh, je sais pas trop. Je peux pas parler de moi sans parler de Spider-Man. Mais si, tu peux. Spider-Man. Ouais, vas-y, reprends ton brouillon. C'est incroyable. Incroyable! Incroyable, mesdames et messieurs! Oh là là là, ça met un peu les frissons. Spider-Man 2. On y est. Oui, vous êtes pas sur le live de Jiria, vous êtes là sur le live de Dark Ludo. On est prêt. Tout va bien. Tu peux me faire une promesse? Ce que tu veux. Si ça fonctionne pas, débranche tout. Ça fonctionnera. Il me reste plus beaucoup de temps. Non, Harry. Je veux qu'on puisse se dire au revoir. Donc ça, c'était un peu le cliffhanger, vous savez, de l'épisode précédent. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Harry Potter, le garçon qui a survécu. Je ne te laisserai jamais tomber. Voilà. Allô? Norman avait le symbiote. Today. Vous n'avez pas entendu la cloche? Fais que ça, ma gueule. Asseyez-vous. C'est un gros baiser, hein. J'arrive! Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau professeur. Salut. Je m'appelle Pete... Monsieur Parker. Et on a une chance incroyable, parce qu'aujourd'hui, c'est cours de physique, et la physique, c'est incroyable. Vous demandez comment certains insectes... des reptiles font pour courir à la surface de l'eau. Réponse, non. Ne dis pas qu'il y a déjà l'homme sable qui attaque. Pose toilette. Ok. La tension de surface, c'est une question de cohésion. En équation, ça donne la tension superficielle, gamma, définie comme la force exercée en parallèle à la surface d'un liquide. F divisé par la longueur L de la ligne où s'exerce la force. Et est-ce qu'un... J'ai besoin de votre aide. Oui, une meuf qui traduit Monsieur tout là derrière, Morales, en langage des signes. Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul? Vraiment sûr. Okay, trop marrant. C'est pas pourquoi les gens rigolent. Lisez le chapitre 4 ou 5 ou ce que vous voulez. Miles, j'ai besoin de ce poste. Si la principale revient et voit que je suis parti, je vais me faire virer. Je sais, mais il faut que tu vois ça. Marco, pourquoi aujourd'hui? Je vais grave me faire virer. T'es très stylé, hein. Oh oui, balance-toi. Oui, le retour. Jacques, la principale Evans m'en veut d'avoir été à la bourse ce matin. Peter, je t'avais demandé d'être à l'heure. C'est
Ça ira. On sera revenu le temps de dire où. Tant mieux. Parce que j'ai un rendez-vous important avec le conseiller d'orientation de la fac. Oh, t'as rendu ta disserte? J'ai le plaisir de retrouver Donald. Ah. Bon, alors on fonce en ville et on s'occupe rapidement de Marco. J'ai l'impression que j'ai déjà tout débloqué, mais en fait non. Mais il est cross the map le man ou quoi? Salut MJ. Eh les garçons, vous devriez vite venir dans le centre-ville. Comment ça, ça va être strike? Ah tu crois? Attends, est-ce qu'il n'y a pas un mode... j'avoue, un mode streamer, la musique. attendez. Gameplay, audio. Mode nocturne. Voix anglaise désactivée. Non, podcast, musique. Mode streaming activé. On va y aller. Voilà, merci. Merci à tous. Je suis désolé, hein, mais on va peut-être pas prendre le risque. Le jeu est cool, le jeu est insane, je vous dis franchement, regarde un peu où c'est que j'en suis, tu vas halluciner, franchement c'est un des meilleurs jeux. Jameson t'a dépêché sur place pour le... Bon, la musique est pas strike, j'ai l'impression. Un vrai plaisir de travailler pour lui. C'est n'importe quoi là, on est au moins à 10 heures de jeu. Hop, je vais juste courir un peu. Non, je cours. D'après les témoins, il courait sur Broadway en hurlant des troupes rouges. Mais en fait on peut pas... Ah merci. Certains ont essayé de lui parler. J'ai tellement l'habitude de faire des super sauts fous. Pourvu qu'on réussisse à le calmer. J'ai déjà vu des gens perdre le contrôle comme ça. Mais t'inquiète pas, on va le calmer, mon pote. Heureusement qu'on a trouvé deux Spider-Man. Bonne chance. Merci MG. Peut-être qu'on aura besoin de nos nouveaux gadgets aussi. C'est pas question. C'est que des prototypes. Il n'y a eu aucun test. Tu les as bien apportés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je réponds pas. Là, je m'accroche au ciel, les amis. Ça me fait grave plaisir. Je fais des petits sauts. Et bon, on y arrive. Oh là, putain, il a tout... Mais qu'est-ce qu'il nous a foutu, le man? On me sable de ses morts. C'est un peu la merde, hein. Attention! Non, j'ai pas envie d'esquiver. Je veux pas esquiver. Non, j'ai pas envie d'esquiver. J'aimerais juste mettre un grand coup de tête dedans. Je suis Spider-Man ou quoi? Rien de cassé. Ça va. Mais je crois qu'on l'a trouvé. Marco! Polo. Qu'est-ce que tu branles? Attends là! C'est ça l'homme sable! Qu'est-ce qu'on doit le faire? Ah, oh, c'est stylé par contre! Il fasse du mal à quelqu'un ou qu'il se blesse! Il a peut-être faim! On va lui jeter un paquet de gâteaux sablés! C'est quoi le plan? Occupe-le encore! J'ai une idée! Oh non! Broken, hein, l'homme sable. T'es encore fâché depuis tout ce temps, Marco? Mets-toi au yoga! Peut-être qu'il préfère le pilote finalement! Quelle esquive, Donald! C'était ça ton idée? Ah, j'ai jamais dit qu'elle serait bonne! Hein. Scoop! Je passe par-dessus, par en dessous. Des échanges gênants dans la salle des profs. Hey, prenez les escaliers! Spider-Man, tu peux réceptionner ce colis? Je l'envoie! Je suis là! Je l'ai! J'avoue, c'est le Hulk. Marco? Oh non! J'aimerais bien pouvoir faire ça! C'est l'huile que sable! Allez, on va se remettre un peu en bagarre. J'ai reposé Mister Gerbe! Mais il a eu le temps de salir mon costume! Et il est pas le seul! Normalement, on a ça! Pour faire venir des mecs! Oh non! Il peut faire ça! On y va! 2-3 patates! Monsieur Parker? Pardon, c'est qui? La principale Evan. Ah oui, bien sûr! Madame! Les étudiants ont évacué les salles de classe! Où êtes-vous? Voilà. Monsieur Parker! Oscar! J'ai laissé un truc dans ma voiture! Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave! Attendez! Oh! C'est incroyable ça, c'est quoi ça, le speeder barrage? Oh la dinguerie! Attaquez, défendez-vous, vous rechargez les capacités comme le speeder barrage. Une fois ces dernières entièrement chargées, vous pouvez les réutiliser. Ok. Bah ça marche alors. Ça a marché?
Oh là, attends, je me fais tabasse. Oui, mais je suis en train de courir là. Vous avez intérêt à revenir ici, vous occupez de vos armes. Sinon. Attends, pas bien. Attends, mais calmez-vous, les gars, calmez-vous. Les recherches d'auto m'ont bien aidé pour ces bras mécaniques. J'y suis presque. Tu tiens le coup. Miles, la principale Evans a appelé. Oh non. Ça y est, je suis viré. Oh, ça va. Toi, t'as juste séché les cours. Moi, j'ai abandonné des élèves en plein milieu d'une crise. Ouais, t'es mal barré. Ouais, il est devenu prof, les gars, on vient de l'apprendre comme vous. Hein. Première scène du jeu, le mec est prof dans la classe de Miles Morales. Mais malheureusement, l'homme sable a attaqué. Sable ! J'ai toujours détesté ce nom. Je sais que t'es en colère contre moi. Y a aucun rapport avec toi. Laisse-moi la paix. Je veux juste t'aider. Mais ça va pas te faire du bien. Heureusement qu'il y a toujours de la flotte à proximité hein, quand il va contre l'homme sable. L'homme sable il est trop con juste va dans le Sahara frère, t'es invincible hein. On n'en parle plus hein. Sois normal mec. Ok j'imagine que là on va jouer Miles Morales. Pas non, pas de suite. Ah ouais ouais. Bon, un peu des doubles séquences. On dirait que ça lui a pas plu pour toi. Il est pas trop du genre de statue. C'est fluide par contre, ouais, c'est très fluide, on a mis le jeu en performance du coup. C'est du 60 FPS hein les gars. C'est que de la fluidité ici. Comment ? Il déteste que l'eau ! Son épaule est déjà mouillée ! Je pourrais parier que c'est pas un grand fan d'électricité non plus. Il est dans mes pensées ! Voilà, fais-nous du vert là un petit peu. Il est tellement fort Miles Morales. Il l'a senti passer ! Mais il nous faut plus d'eau ! Je vais lui lancer des toiles pendant que je récupère. Je m'occupe de faire jaillir de l'eau en attendant. Oh là là, peut-être un peu loin. Il est paralysé. Profite-en. C'est magnifique hein par contre. Réflexe de malade que j'ai. Je peux approcher de plus près. Je peux t'enfreinter un peu de sable. Quelqu'un a commandé de l'eau. On en boit. Boum. Plus d'épaule mec. Je sais pas pourquoi c'est mes FIFA 23 installés 15 000 fois. Pas comme si je jouais au jeu. En secret peut-être. Ça va ? Ça devrait aller ! Oh la vache ! J'ai cru que j'allais le faire ! On se débarrasse pas de moi comme ça ! On a besoin des talents de Ganki ! Ganki ! T'es là ? C'est de la folie ! Oh, m'en parle pas ! Mais écoute, on a besoin d'une grosse source d'eau vers Wall Street ! Je vérifie le réseau. Fais gaffe à toi, mon pote. Vous aussi, monsieur Parker. Ça marche ! Attends, quoi ? Il est au courant ? Ganki, c'est tout ! Et en plus, on a été trop chelou en cours tout à l'heure. Ça m'apprendra à enseigner aux surdoués. On continue ? Allez, à nous deux maintenant ! C'est pour vous que je fais ça. Présente-nous la météo du jour, Spider-Man. Il va pleuvoir, il en va encore une autre. Il est fini. Oh là là. Il se fait headshot. Les gars, la cuve d'eau sur le Madison Building devrait faire l'affaire. Elle contient dans les 40 000 litres. Ça marche. Merci, Ganki. Je crois d'ailleurs le jeu est pas sur PC, on est bien d'accord. Hein. Il est que sur PS5, enfin sur console quoi. Tu le trouves toujours pile poil au bon endroit. Bon, je reconnais, je vais parler un peu. En tout cas, il sera sûrement disponible sur PC plus tard, j'imagine, mais. Ouais, temporaire PS5 quoi. Pardon, excusez-moi, je vous chat en même temps, je vais prendre des coups. La cuve
non. Spider-Man. Frère, c'est bon, on a pris tout ce que t'as pris là. Moi, je voulais juste mener une vie normale. Comme tout le monde. Oui, lui, il veut toujours mener une vie normale c'est et pourtant, la il détruit la ville à chaque fois, Marco là. Mais pour un type comme moi, c'est la seule méthode. Les rêves n'existent pas. C'est en train de dégénérer. Que il y a les défoncer ou pas qu'est-ce ouais. qui s'est passé? J'ai atterri dehors. Continue de monter. Je te rejoins sur le toit. Cette cube d'eau est notre seule chance. Merde. Où est-ce que t'es, Peter? Reviens par ici. Reste à l'intérieur. Ok, bon. Il doit être occupé. La journée va être longue si on récupère pas cette citerne. OMG, c'est marrant, pleine de concentration, une barre de concentration pleine, remplir et détendez-vous, ok. Ralentis pas, Miles. Le grand classique comme avant. Je crois qu'on allait vraiment mourir, hein, par contre. C'est pas encore trop tard. C'est trop tard maintenant. Alors écoute, grâce à des attaques dévastatrices, donc ça c'est la même chose qu'avant. On génère la concentration en esquivant, ouais, on est d'accord. Juste ça permet de one shot quoi. Pourquoi Marco a pas fait des pâtés de sable plutôt? Maman, tout va bien? Je suis avec Peter. Je sais, tu es sur toutes les chaînes. Je vais aider à coordonner les ressources et les distributions dans le centre. Revient au lycée. Ouais, mais j'ai rendez-vous avec mon conseiller tout à l'heure. C'est la principale boss que j'ai. Je peux aller parler à ta principale, mais New York a besoin de toi. J'ai la mère la plus cool. Je t'en supplie, sois prudent. T'es quel homme. Ça me donne envie de remater. Maman a raison. Comment New York s'appelle, a besoin de nous. Across the Spider-Verse. Je suis allé voir au cinéma, qui m'avait régalé. Vraiment le meilleur film sous barre. Ah, c'est tellement jouissif comme jeu, putain, c'est tellement du bonheur. Tiens, qu'est-ce qu'il y a toi, tu me cherches? Marco, tu vas t'attirer encore plus en lui. Je crois qu'il est déjà pas mal là. Alors, je suis dans son point par contre là, c'est un peu bizarre. Je serais pris dans n'importe quelle fac. Les gens qui aiment bien d'être dans le point de Marco peut-être. Concentre-toi. Je suis concentré. Non, tu me touches. Alors que j'ai fait une esquive de fou. Comment ça va, Spider-Man? J'y suis presque. La cube d'or est à nous. Oh fuck. Plutôt, fuck mate. Salut, désolé. Tu nous fais quoi? On peut faire la danse au point. Je peux faire l'inverse. Chacun s'équipe les gars avec les points. On mais plutôt lui donner à boire. C'est tout tranquille. Hein. Ça fait 3 heures que le man il a pris 18 cubes d'eau. Il a été électrocuté, tabassé. Il revient tout le temps. Le sable invincible. C'est bon, faites-en du verre. On n'en parle plus.
Gerald! Sers-toi de tes nouveaux jouets! Le dernier patch logiciel de la nuit n'était pas stable, même! On croise les doigts! Les Delta Twan! C'est incroyable! Mais on n'est pas tiré d'affaire! Let's go! Il se passe quoi s'il récupère tout ce sable? Bah je sais pas, je hein. C'est déjà fait. Peut-être bosser dans le BTP le man. Ouais, je l'ai en visuel là. Je suis pas loin que ça arrive. Miles! Miles! Ok, ok, ok. Oh, quelle galère je me suis fourré! Tu dois retrouver ton calme, Marco! Tu mets des innocents en danger! Tu te soucies d'eux? Ah oui, je me soucie d'eux parce que je suis Spider-Man, je suis gentil. Personne ne s'intéresse à ça. Mais on ne peut pas ignorer leur sable. Tu vas être obligé d'exploser ta mère. Oh, c'est vraiment pas de bol de se faire tabasser par un éclair qui arrive pendant en pleine tempête de sable. À moins que ce soit. Miles ? Le seul et l'unique. Miles Morales ? Est-ce que t'as un plan ? Pas vu une image du jeu avant ce stream, et là j'imagine que c'est le dernier boss du jeu. Oui, c'est ça, ouais. Au bout de 10 minutes, j'ai déjà fini le jeu, mec. Je suis trop chaud. Non, non, c'est l'intro les du enfants, jeu, ça. On retourne au cours. Ok. Se soigner ou réaliser un coup de grâce consomme une barre de concentration pleine. Merci, man. Quoi ? Ah bah, tu sais quoi ? Hop, je vais me soigner. La tempête de Marco génère beaucoup trop d'électricité ! Qu'est-ce qui arrive à la tension de surface du sable si on augmente le voltage ? De la fulgurite ! Comme quand j'ai foudroyé les mini ! Attention là ! J'absorbe assez d'énergie et je lui en mets plein la tronche ! Tu veux que je me fasse frapper par la poudre ? Tu vas tenir le coup ! Il n'y a qu'une façon de le savoir ! Oh, le speeder barrage me fait kiffer par contre. Est-ce qu'on peut alterner entre les deux Spider-Man quand on veut ou pas, vous pensez ? Pour l'instant, je pense que c'est la phase tuto pour attends, ceux qui n'ont jamais joué au jeu, entre guillemets. Je compterai orienter un éclair au juste. Comme t'as dit, faut qu'on teste les joueurs. Oh, j'ai fait la bonne idée. C'est maintenant ou jamais, Spider-Man. On s'active. Pourquoi est-ce que tu continues à lutter? Parce qu'on a promis de protéger cette ville. Encore? Mais c'est pas possible. C'est un paratonnerre ou quoi, Peter Parker? Tu prends tous les éclairs du monde, frère. Je me spoil de ouf, en fait, ton écran de jeu est pas centré. Ah, t'es sûr? Faut que je regarde ce que je disais tout à l'heure, normalement il est bon. C'est bon! C'est bon! C'est parti. Sur le Kamehameha! Père fils! Le texte est un peu coupé sur les côtés. Ok, je vais voir alors. Attends. Fallait me dire ça. Putain, j'avais pas vu depuis le début. Du sable vraiment partout. Voilà, c'est bon. Il doit être bon. Il était étiré effectivement un petit peu. Bah retransforme-toi en sable. Ça fait bien longtemps que rien ne va plus pour moi. Si t'as besoin d'aide, tu sais que t'as qu'à demander. Je crois que c'est vous qui allez avoir besoin d'aide quand ils vous pourchasseront. Et là, on sent l'hélicoptère qui remonte là, avec la manette, les petites vibrations. Comment ça me régale. A bientôt, Suzy. Ah, effectivement, si tu veux pas te spoil, moi je peux comprendre. Les gens qui veulent pas se spoil, mesdames et messieurs, je me permets, après cette intro. Et ça, je l'avais vu ça. 6 mois plus tôt. Ça, on l'a vu.
certain. Merci Tréchus pour ton Prime, ton deuxième mois. Merci beaucoup pour les subs. Oh mon dieu. Kraven. Tu deviens lent avec l'âge, Sergueï. Jamais. Tu ne connaîtras ça. Je te suis à la trace depuis des heures. Tu n'as rien vu venir. Pitoyable. Ok, Michael Jackson. Ah, mort. C'est pas le poids. Vous ne m'avez rien trouvé de mieux. Chef, peut-être qu'un nouveau terrain de chasse. Ça, c'est un homme viril, ça. Il a des poils. Black Cat. Oh là là, oh là là, c'est un merde. Oh my god. Ah, il a trop de flow, le bâtard. La grande chasse commence. Y'a pas à chier. On va se régaler. C'est Rengar, oui, ça doit être ça. Voilà, il a changé Rengar quand même. Oh là là là. Et malheureusement, c'est parce que tu es sur iOS. Mais ça marche chez toi ? Si t'avais été chez Android, mon pote, t'aurais pas eu de soucis, mais bon. My name is Barry Allen, and I'm the fastest man alive. After 5 years. Ok, let's go. C'est bon, vous risquez plus rien. Ah, de rien, les gars. Hop, je me mets à sauter, on sait pas pourquoi, juste un peu sur ce rebord. Non, ça marche plus. Wi-Fi available à D-Station, pour je sais. Tout le réseau de la ville est HS. Elles deviennent quoi, les demandes qu'on reçoit ? Elles sont mises en attente, mais... Attends, je vais essayer un truc. Traîne pas. Bordel, toi, mon pote, l'homme sable est passé, alors là, c'est... Juste avant que l'appli se ferme, j'ai vu cauchemar. Une demande d'aide à Liberty et Broadway. Ok. Y vais tout de suite. Eh ben on y va les gars. Quel carnage ! Marco ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Je vais juste marcher un peu, regardez. Regardez, les jambes vont pas bien. Vous n'allez pas bien, mesdames et messieurs ? Tiens. Spider-Man qui pète un plomb, qui devient un peu bizarre. Spider-Man. Bon allez, repartons. Je me mouille un peu hein. Allez voilà. Je suis là, tenez bon. Enfin, sortez du sable, monsieur. Ça va ? C'est pas des sables mouvants non plus, non ? Mieux. Merci. Spider-Man, le capitaine a besoin d'aide. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a, le capitaine ? Spider-Man, vous avez une minute ? Je sais pas. Le commissariat d'à côté nous a appelé, mais ça a coupé. Faut qu'on passe pour faire le triage. Je m'en occupe. Ok, bah je vais tout dédécor. Donc maintenant. C'est Spider-Man. Spider-Man travaille pour la ville à la fin, quoi. On va pas se mentir, mais. Spider-Man Monsieur à la mairie, Spider-Man aide aux espaces verts, Spider-Man déblé, Spider-Man prend les poubelles. On fait quoi ? Ça va prendre des heures avant qu'ils rétablissent le réseau de télécommunications. Donc, ouais. On va créer le nôtre. Ok, au bois. Bien sûr, hein. On rappelle, hein, des lycéens arrivent à tout créer, hein, évidemment. Eh bien, j'en rêve depuis le collège, mais la planification, 2 minutes, je dirais. On va prendre un peu de hauteur. Voilà, on doit aller là-bas, les gars. Look at this, guys. Autre chose que Assassin's Creed Mirage, hein, ça.
Il doit y avoir un lanceur pas loin. Okay. C'est quoi tout ce truc? C'est l'étude environnementale d'une jeune start-up. Le lanceur, c'est pour leur sonde météo haute altitude. Ouais. Et la start-up, elle a donné son autorisation? Oui, j'ai vu ça avec le Big Boss. Un type charmant. Il était content de pouvoir aider Spider-Man. C'est vraiment le Spider-Man agent municipal. Hein. Ok, ouais, bah je fais quoi? Voilà, triangle. Ok, merci. Dis-moi ce que je dois faire. C'est une start-up qui a fait ça, on n'oublie pas. C'est vraiment que des start-up américaines qui peuvent faire ça. On n'est pas sur le même niveau de start-up chez nous, j'ai l'impression. Ouais, c'est une petite start-up, ouais, deux mecs ont développé ça. Ça ressemble à un drone. On espionne pas les gens, Ganky. Oh non, il faut leur consentement. Quand les New Yorkais envoient un message sur l'appli, ça les redirige sur ces drones. J'appelle ça des antennes mobiles d'information. Ce qui donne AMI. Je viens de me faire un ami. Je suis ton ami. J'étais déjà cool au collège. Ok, et maintenant? Comment on fait voler ce truc? Il y a un tas de signaux antagonistes. Il faut suivre le chemin que j'ai marqué sur la lentille. On aura un meilleur signal. Ok. Oh, signal de fou! Signal de malade! Je fais du Quidditch. Le réseau local devrait marcher. J'envoie une notif générale. C'est grâce à mon ami, les amis. Les signalements vont arriver d'une minute à l'autre. Regarde, oh, elle me fait trop contente, super. Oh, des loupards! Même parmi tout ce chaos, il y a encore des loups. Qu'est-ce qui se passe? On a réussi! Il est temps de s'y remettre. Ok, déjà des embrouilles. Niveau supérieur. Est-ce qu'on a des trucs à regarder justement niveau 1, on passe niveau 2? J'imagine que le jeu va nous rediriger peut-être vers quelque chose. Non, rien. Niveau 2, capacité. Alors, tiens, on voit entre Miles Morales et notre ami Peter Parker. J'imagine qu'on pourra bouger entre les deux persos à notre guise. On a le speeder barrage. Qu'est-ce qu'on... Bah c'est tout, hein, c'est tout. On a juste le speeder barrage. Y'a rien, je pense que pour l'instant on n'a pas grand-chose. Tant que un point de compétence... Ça me dit quand même un point de compétence, frère. Technique. Que je dois débloquer des trucs ou pas? Non. Bah, ouvrir l'arbre de compétences. Ah, j'étais peut-être. Voilà, j'étais trop rapide, excusez-moi. J'étais trop en avance sur le jeu. Vous êtes passé au niveau supérieur, vous avez gagné un point de compétence. Utilisez vos points de compétence pour apprendre de nouvelles attaques et de nouvelles techniques. Et nanani, et nanana. Ok. Chaque héros a également son arbre de compétences unique. Naviguez jusqu'à celui de Peter. Ouais. La speeder volée sélectionnée, cette attaque permet d'envoyer plusieurs ennemis dans les airs pour les affronter en combat aérien. Utilisez votre point de compétence pour acheter cette... Bah si j'ai pas envie. si j'ai pas envie de le faire. Je suis obligé. Pas cadeau. Hein. On a la speeder volée, donc c'est L1 plus X pour projeter les ennemis en l'air. Ok. Bon bah ça c'est le grand classique, hein. Après ce sera ça, L1 plus triangle pour pousser en avant. Ouais, oh là là, putain. Alors par contre, il y a l'air d'avoir pas mal de compétences. Hein. Ah, ils te mettent même pas les descriptions pour les autres. Et il y a des compétences en... par rapport aux deux... ouais, regardez. Ça, c'est les compétences qui sont pour les deux Spider-Man, du coup. Donc là, tir lance-pierre, c'est quoi? Au sol, maintenez L2 plus croix pour lancer... Ah oui, d'accord. Pour aller fracasser un man. Il y a l'air d'avoir énormément de choses. Juste Peter et notre ami Miles Morales, c'est quoi? Le sprint bioélectrique. Après, est-ce qu'on va pouvoir tout débloquer ou est-ce qu'il va falloir choisir un côté de l'arbre à chaque fois ou pas? Je sais pas trop. On verra bien. T'as encore 5 points à mettre. J'ai encore 5 points à mettre. Ah oui, 5 points de compétence. Ah oui, t'as complètement raison. J'avais pas vu. Tu vois, par exemple, là, je peux pas continuer l'histoire pour débloquer cette compétence. Ok. Y a ça. Tu as raison. Et ça, c'est... Ça m'excite pas des masses, hein, ça. Lors d'un plongeon, maintenant R2 pour la super loopy. Regarde un peu ce qu'il y a. On va débloquer ça. L1 plus croix. Voilà, singerie. C'est la même on avait un peu le même délire dans le dans Spider-Man d'avant, on était d'accord, je pouvais m'envoler avec les man. Et le point bioélectrique projette en arrière tous les ennemis situés dans un cône. Ok. Ouais, franchement, il y a un monde où Miles Morales, encore une fois, je pense que ça va taper très fort. Ça, ça a l'air très cool. L1 plus triangle. Je vais en prendre un là. Ok. Ou... Oh, c'est pas mal aussi. Ah, ça coûtait 2 ça. Et là, je vais nous prendre... Ah, ça a l'air de coûter 2 aussi. Merde. Ah, je vais garder pour prendre ça après. J'avoue que j'ai monté un peu plus Peter parce que j'ai l'impression qu'on va jouer avec Peter dans un premier temps.
On a le L en triangle, L en rond qui est débloqué. Des régalades. Voilà, un signalement de crime vient d'arriver. Quoi? Ah bah j'y vais. Recule encore. Vas-y. Ils sont en pleine les gars. Oh putain, j'ai cru qu'il s'était fait reculer. Il dit recule encore, j'ai cru qu'il s'était fait rouler dessus le mec. J'ai halluciné, le plan était bizarre, non? J'ai cru qu'il s'était vraiment fait écraser. Allez, la gueule. Maintenir, ok, je te projecte. Projection à elle. Je vais pas laisser faire ça. On suit le plan. Oh, c'était l'idée de qui d'installer ce club de tir en ville, sérieux? J'ai lancé une pétition pour faire remplacer tous les clubs de tir par quelque chose de mieux. Moi, genre un club de compliments. Les compliments, ça fait mal à personne et c'est gratuit. Par exemple, on encaisse les coups de poing comme personne. Bravo. Une fatigue. Ah oui d'accord, c'est en train de recharger. Je suis en mode j'ai envie de tout utiliser à chaque fois. Plus de compliments. Voilà les bouffons. Est-ce qu'il y a un autre mec qui veut me tester peut-être? Ils étaient nombreux. Ouais, j'ai cru la même chose. On est d'accord quand le plan a fait que la camionnette a reculé. J'ai cru que c'était une vanne au début. Il est en mode recul. Encore, encore, écrasé. On va les réceptionner. Ok, gadget, allez stopper les crimes pour obtenir les pièces high-tech. Utiliser ces dernières pour fabriquer des puissantes améliorations, évidemment. Mm-hmm. Le dégommeur. Alors nous, on a quoi? Lance-toile de base, je pense. Hein, classique, attrape-toile et dégommeur. Utiliser aux pièces high-tech pour le CE, d'accord. J'utilise. Et tirer avec R1 triangle. Attendez, suspendez plusieurs ennemis dans les airs pour les rendre vulnérables aux combos aériens ou aux saisies air-sol. C'est R1 triangle. Putain. Dès le début, par contre, j'ai l'impression, je sais pas vous, même dans les joueurs en jeu, que t'as beaucoup d'informations quand même. La R1 carré. C'est quoi ça? Attirer vers vous plusieurs ennemis pour les rendre vulnérables aux attaques. R1 carré, R1 triangle. Faut que je me souvienne de tout ça. Ah oui, l'image déborde sur le haut, vous me dites? Non. Du moins, c'est normal, hein, c'est comme ça aussi chez moi. Ouais, c'est l'un de mes super pouvoirs. Mais je me pose, mais. Ah si, vous avez raison, l'image déborde vers le haut. Putain, mais pourquoi c'est comme ça? Attendez. Ah, je crois que ça doit être un bug ça, parce que normalement c'est pas censé être comme ça. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. C'est très bizarre. Ouais. Non, mais j'avais raison, d'accord. J'avais raison, c'est bien les réglages de la Switch. Excusez-moi. Mais dans le truc, ça me dit que ce ne sont pas les réglages de la Switch. Ok, laissez tomber. C'était bien ça. Hein. Voilà. Donc là, on peut profiter enfin de tout l'écran. Ah, bon, R1, ça envoie le dégommeur, les gars, je vous préviens. Oh, mais c'est... Les gars, mon appli est toujours HS. Ah, je sais, j'essaie d'innover. Laissez-moi une minute, je vous rappelle. Eh ben, tu crois qu'il veut? Le stress et la colère se ressemblent parfois. Concentre-toi sur les gens qui ont besoin de toi. Là, c'est toi qui as l'air énervé. Je suis pas énervé, Mike. Je suis concentré. Ouais, ma mère dit ça aussi quand elle est énervée. Je connais depuis longtemps. Franchement, tu m'as déjà vu m'énerver? Laisse-moi réfléchir. C'était une question rhétorique. Je sais. La fois où on jouait à un jeu de société chez toi, t'as été pas de perdre. J'étais pas énervé contre toi, mais contre tout l'univers. T'occupe de lui, il est foutu. Je fais tabasser. On est d'accord que nos gadgets se rechargent tout seuls, non, il me semble. Ah non, j'ai pas encore testé Mario Wonder. Je pense qu'on va laisser en faire. Et puis surtout, je vais jouer avec ma fille à Mario Wonder, je pense. Bon, la nouvelle appli compile. Tant qu'à faire, je me suis dit autant lui donner un coup de neuf. Pas besoin de faire compliqué, hein. C'est juste pour voir les demandes des citoyens. Carrément. Pendant que le patch s'installe, faut élargir le réseau. Appelons d'abord Miles.
On devient des agents SFR compétents là, j'ai l'impression. On met la fibre un peu partout. Elle avait du mal à respirer. Miles, t'es dispo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Va sur le toit du bâtiment à côté. Ok. Non, je vais pas relâcher, je vais le faire. D'ailleurs, du coup, Miles, je me permets. Hein. Gadget, on est good. Ouais, on a tous les mêmes aussi. Et on a toujours un point de ce côté-là, mais Miles, on lui a pris... Ah, on lui a pas pris ça encore. On a juste le sprint. Le sprint qui a été pris. T'avais l'air stressé tout à l'heure. Est-ce que tout va bien ? Ouais, c'est juste que j'ai plein de trucs à faire. J'ai faim et en plus, il n'y a plus que des crackers sans sel dans le distributeur. Ah ouais, ça craint. Je m'en remettrai. Hé, je suis enfin sur la mise à jour de l'appli dont je t'ai parlé. Grâce à un coup de main de mes amis. Ouais, c'est un jeu de mots. Enfin, tu peux pas encore comprendre, hein, mais ça va pas tarder. Me permettre de courir un peu sur les murs. Voilà. Tout à fait normal. En tant que Spider-Man. J'ai encore du pain sur la planche. Tu sais quoi, on va monter Spider. Spider-Man Morales. Et voilà. Ok, j'y suis. Il doit y avoir un lanceur dans les parages. Ouais, sûrement un lanceur d'une start-up, j'ai l'impression, ouais. Peut-être qu'il est sous le sable. Il est là-dedans ? Faire disparaître le tas de sable ? Est-ce que je vais devoir utiliser une de mes compétences interdites ? Donc j'ai quelque chose à faire ou pas ? On est d'accord que c'est là ? Ah ! Je savais pas que c'était aussi efficace, okay. Hein. Je vois le lanceur. Je fais quoi ? Tu vas imprimer un ami. Je suis ton ami. Tu as aimé les films Miles Morales ? J'ai adoré. Si tu parles des films de Sony, Across the Spider-Verse, enfin Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le film au ciné, j'ai pris une claque, quoi. En fait, peu importe. Je vous conseille, hein, vraiment, c'est génial. Les signaux sont traités par corrélation spatiale et temporelle. Des calculs à distance. T'es un génie, Ganky. Oh, arrête. J'ai marqué un itinéraire pour optimiser la stabilité du réseau. C'est parti, on rejoue au Quidditch, les gars. J'y retourne. On se concentre, on y est. On va le faire. Et on a fini. Et au-delà. Ok, le réseau local est connecté. Bien joué. Heureusement qu'on a réussi à reconnecter toute la ville, mesdames et messieurs. Ah, un crime. J'arrive. Je le vois. J'y vais. Je vais devoir déployer le Delta Toile. Ça, c'est trop stylé, ça, de pouvoir voler, par contre. C'est une singerie. J'arrive. C'est juste malade, en fait. Ils ont dit que Spider-Man était au club de tir. Faut se manier avant qu'il arrive. Coucou. Besoin d'aide ? J'ai utilisé. Et vraiment pas rigolé, hein. Vous avez perdu vos clés ? Il y a un serrurier un peu plus haut. Vous êtes combien pour un seul fourgon blindé ? C'est un peu exagéré, non ? Au lieu de voler, vous pourriez peut-être, je sais pas moi, m'aider à sauver des gens. J'ai un cadeau pour toi, Spidey. Réaliser une esquive parfaite ? Oui, bah ça je sais le faire, mec. Je suis tellement chaud que j'arrive à le faire. Sur... Ils sont où les prochains ? Miro, ça va ? Oui, mort. Si, je suis dans le centre de cette Gloria Auguste. Ta mère qui t'appelle à chaque fois que t'es en pleine mission, en train de tabasser des mecs. Ça se passe, mon fils ? C'est pas Spider-Man qui va te faire rentrer à la fac. Oui, mais bon, je vais m'en occuper, mort. Promis. Un grand pouvoir, tout ça, tu connais, hein. Ce que je fais pour papa, hein. Oh là. Oh là là. Oh là, les amis, il y a des combattants UFC là qui débarquent. Parer juste avant d'être touché par une attaque au corps à corps pour étourdir l'ennemi. Une parade trop précoce sera moins efficace. Ok, on va essayer alors. Ah, L1, d'accord. Hop, je me mets à Paris. Hein. Dire que
devrais être en cours de physique, en train d'apprendre des équations abstraites pour des situations théoriques. Voilà, bouquin. Ouais, je crois que je préfère la physique appliquée. Tirez sur l'araignée! Mauvaise idée! Ah, le début du jeu, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont mis la max, hein, et heureusement, hein, puisque là qu'on a envie de se la régaler le plus, eux. Ça donne envie. Hein. Tu vas bien. Mais c'est lui, c'est ça. Je peux vous mentir. Ouais, y'en a plus personne. Y'a des mecs qui veulent me tester là? C'est bien okay. Ce que je pensais. L'appli est enfin à jour. Jette un œil. Je vais jeter un œil tout de suite. Allez, c'est bon, on est à 100%. Y'a une nouvelle requête. Vas-y, j'y vais. Hein. Kanki, beau boulot sur l'appli. Ça va aider plein de gens, ça. Merci. Nice. Occupe-toi de ces requêtes et retourne au lycée. Allez, on repart. Nouvelle mission de ce début de jeu. Qu'est-ce que vous pensez de la qualité graphique du jeu en vrai? Parce que moi je suis sur PS5. Donc le jeu est très beau. Hein. Tourne très bien, ça marche ça. Ouais, gros départ, ça fait plaisir, on est d'accord. Bah, heureusement, hein, s'ils avaient mis. Si vous jouez, on se fait chier dès le début, forcément. Je vais aller voir. Ça va être moins fou quoi. Ouais, franchement, graphiquement parlant, je trouve ça très, très réussi. Ah, c'est ce que j'attends d'un Spider-Man, j'ai pas besoin d'être choc-barre non plus. Mais c'est assez beau. Ça a changé New York, bah. Quoi? Quoi? Alors, est-ce que ça t'a plu? T'es toujours là, Marco? Marco? Ah ouais? Miles, CMJ. Je crois que je me bats encore contre l'homme sable. Et tout le monde nous appelle quand on est en train de se battre, c'est une cinderie. Il est juste devant moi. Il y a quelque chose qui me dérange. Tiens bon, je vais aller parler à ces médecins. Fuck mate. Je vais me faire patate. Hein. Ok, là vous m'avez dit. Ok, je vais être obligé d'utiliser le marteau bioélectrique. Nouvelle technique, les amis. Ok, j'ai parlé à ces médecins. Il y a un genre de stade de sable près de toi? Oui. Ok. Ces médecins m'ont dit que l'esprit de Marco était brisé. Il a littéralement éclaté en morceaux. Flippant! Et pourquoi ces mecs de sable en ont après moi? C'est sûrement des morceaux de son inconscient qu'il cherche à protéger ce qu'il y a dans le cristal. Écoute ça, c'est important. Si tu retrouves tous les morceaux, ils disent que ça pourrait peut-être réparer ça. Eh ben, ça a pas l'air simple, la vie d'un homme sale. C'est bon. Ça a pas l'air simple. Donc l'esprit de Marco est brisé en mille morceaux, ça doit être par rapport à ces cristaux là. Est-ce que ton inconscient voulait protéger? Est-ce que c'est pas des horcruxes? Je vais le briser. Un cristal qui parle. Ok. Ouais, c'est très très bon. On dirait qu'il renferme un souvenir de Marco. Mais gros, c'est des horcruxes. Hein. J'ai dit qu'il y avait d'autres cristaux éparpillés à travers la ville. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil. Les amis, Marco a posé ses horcruxes un petit peu partout. Tu veux t'occuper de la dernière requête? Ouais. De VIP coincé dans une limousine. Vas-y. Hein. Je gère. Kanki, Monsieur Sumida est toujours là? Oui, il est avec Ailey en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non, t'en fais déjà trop pour moi. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais, c'est vrai. Je me kiffe, je prends du kiff là les gars, je prends du plaisir. Ça fait du bien là, juste de prendre juste un peu de plaisir ensemble. Non, un jeu où toute la liberté que tu as, c'est vraiment le fun total. Hein. Hey,
approchez pas de cette limousine. C'est l'araignée. Je crois que ce sont des murs porteurs, effectivement. Ah, une petite saisie aérienne. Voilà, je te saisis un petit peu. Et le coup d'un balançoire. L'heure est venue. Les paparazzi, c'est déjà pas cool. Mais des paparazzi armés. Ce que vous faites là, c'est pas joli. On va passer un sale quart d'heure. Pourquoi vous pouvez pas les laisser vivre leur vie? Mais du coup, ah, mais j'allais dire, du coup, pourquoi je les désarme plus? Mais je crois qu'en fait, le fait de désarmer les mecs en maintenant triangle, je crois que c'était une, c'est un truc à monter, voyons une compétence. Attends, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Ça va, mon pote? Je crois que c'est un truc à récupérer. Ça doit être plus tard. Allez, viens, on va tirer tout ça. Voilà. L'hôpital. J'ai Jonah Jameson. Je dois prévenir Spider-Man. Sauvé par Spider-Man, il va hurler. Hein. Ok, monsieur Jameson. Je vous emmène à l'hôpital. Spider-Man, que tu viennes voir qui est notre VIP. Ce suspense est insoutenable. Je ferme une porte d'incendie et j'arrive. Monsieur Jameson, c'est Spider-Man. Vous m'entendez? J'arrive! Sur ta gauche! Hé, Spider-Man! Regarde qui c'est! Spider-Man! Hey, Jonah Jameson, je le savais! Spider-Man a essayé de me tuer! C'est un kidnapping! Oui, voilà, bah. Hein? Mais non, j'essaie de vous sauver là! Que quelqu'un prenne une photo! Le criminel masqué kidnappe un célèbre journaliste! Le débile originel! Vraiment, la circulation continue tout à fait normalement ici. On peut pas monter très haut avec Jonah Jameson. Johnson. Oh, ils m'ont kidnappé! J'étais pas consentant! Ah non! Aïe! Des dangers publics! Voilà ce que vous êtes, des dangers publics! Mais J. Jonah Jameson se laissera pas faire, vous entendez? Elle est devenue schizo, le bougre. Je me laisserai pas faire! Oui, je viens de commencer, Godfroy. Salut à ceux qui viennent de rejoindre, les amis. On est vraiment sur le test départ, tranquillement. Une petite heure et demie Monsieur Parker, avant le react. Et c'est du pur kiff. Hein. Donc là, je suis très silencieux parce que je profite. Oui, c'est moi, Peter Parker. Je suis désolé. J'ai eu une urgence et je vous jure que j'arrive tout de suite. Vous avez intérêt à être là dans 10 secondes. Oh non, je passe sous. Tout à l'heure. Il le fait très bien, Donald. Pourquoi il y a deux Spider-Man? Bah parce que le premier Spider-Man, c'est avec Peter Parker. Ensuite, il y a eu l'extension Miles Morales. Avec Miles Morales, ouais, parce qu'il y a deux Spider-Man. Monsieur Sumida. Donc, Et il vient de partir en vacances, il me semble. Si j'ai bien compris. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié. Il est... C'est pour ça que... Mais je suis trop con. C'est pour ça qu'il y avait la... celle qui traduisait langage des signes. Lady. Et aussi, pendant que t'étais occupé, j'ai appris que... Ils ont tous appris de l'anglais. J'avais obtenu la bourse Rand. Non, tu rigoles? Je te jure. Attends, mais c'est de la folie. Oh. Grosse journée pour tout le monde. J'ai vraiment tout loupé. Ouais, tu peux choisir la difficulté au début. Hein. Tu peux mettre au max si tu veux. J'ai mis juste l'avant-dernière, parce que c'est un petit let's play chill, temps, donc voilà. Je pense que si vous voulez du challenge, il faut tout mettre à fond. Regardez qui nous rend visite aujourd'hui. Je sais, j'ai pas fait bonne impression. Ça c'est sûr. Je suis désolé. Ouais, vous pouvez l'être. Oui, je sais. Mais cette attitude est inadmissible. Ça se reproduira plus jamais. J'en ai plus que marre. Non, attendez. Vous n'avez plus d'excuses. Votre travail est de protéger les élèves, pas de les abandonner. Bah, et qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes viré. Eh ben, être Spider-Man, c'est pas évident, si tu veux garder un taf. Mais non, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir. Après, ils ont qu'à faire du télétravail ou je sais pas. Ils ont qu'à être payés peut-être par la ville pour être Spider-Man. Pas ces cinématiques où tu suis l'histoire? Bien sûr que non, moi je suis toute l'histoire. Ah mais moi, ma principale envie sur le jeu, c'est l'histoire. Je joue au jeu principalement pour l'histoire.
chaque chose en son temps. Salut. Je suis désolé pour ton boulot. T'étais pas le pire prof qu'on ait eu ici. Merci. Crois que je peux mettre ça sur mon CV? Ok, écoute. Ils sont en recherche de photos au New York bulletin. Voilà, c'est ça, d'ailleurs, des petites hier, photos. J'en ai envoyé une. Ça rapporte pas une fortune, mais c'est déjà ça. C'est le journal de Robbie Robertson? On a travaillé ensemble au Bugle. Alors les amis, ce que j'aimerais vérifier, c'est que... gadget de points de compétence, on va laisser tel quel, hein, je pense, pour l'instant. Pour moi, le lance-toile, ça, on s'en fout. Attends, lance-toile, c'est quoi? Entourer plusieurs ennemis grâce à vos tirs rapides. Oui, ça, on s'en fout. Ça, c'est bien, mais est-ce qu'on a besoin d'augmenter quoi que ce soit ou quoi? Et de toute façon, il faut des trucs en plus. On a deux points de compétence, et on l'a dit tout à l'heure, c'est ça que je voulais monter. Ça, on l'a pris ou pas? Non, on l'a pas pris, c'est ça qu'on veut monter. Voilà, au moins, c'est good. Maintenant, est-ce que on peut d'ores et déjà changer les costumes ou pas? Capacité. Ça, on l'a. Speeder volé. À la volée. Ça, ça viendra plus tard. Speeder barrage, speeder volé. En capacité. Ça, speeder rué. Speeder électrocution. Et après, ça va juste être augmenté, je pense, dans le classico del Madrido. Pas tout de suite des costumes, je crois aussi. Ouais, parce que je vous avoue que j'ai pris l'édition Deluxe et j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans de particulier. Je crois que je sais ce qui lui plairait. Donc, merci, voilà. Miles. Y a pas de quoi. Je lui enverrai peut-être d'autres photos aussi si j'ai le temps. Ça marche, merci. Il disait toujours, je veux pas voir la ville, je veux voir New York. Après j'avoue qu'il est un peu con là, Peter Parker. T'es Spider-Man, quel boulot tu décides de faire? Devenir professeur? C'est le pire bail, sans faire le mec hein. Tu sais très bien que là, déjà quand il était livreur de pizza, si vous avez la ref, il arrivait pas à livrer à temps. Alors en plus là, non, laisse tomber. Merci pour le sub, Daddy from Nowhere. Merci à Dejbil aussi, j'avais pas vu, pour le 50e mois. Merci mon frérot. Merde, excusez-moi. Merci à Mora TV, Blinkeru. J'avais eu Joumès aussi qui a donné 3 balles, j'avais pas vu. Passage rapide, j'ai pas envie d'être spoil Spider-Man 2. Juste pour te dire que le colis de mariage est arrivé chez Webedia selon le numéro de tracking. Attendant celui de Junpei, je te laisse le récup et me dire. Tarde pas trop, il y a des petits gâteaux. Ok. Ouais, faut que je monte sur Paname, Joumès. Je vais faire une photo là. Ok. Et voilà. Est-ce que la photo est pas insane? Regardez. Oh, la photo de malade. Je vais appuyer pour vous l'afficher un petit peu cette photo. Est-ce qu'elle est pas... On peut pas la mettre en plus grand la photo là? Parce que là quand même, ça c'est de la photo les gars. Ça c'est de la teuf hein. Partie de frisbee improvisée sur un toit. Si ça, j'en tire pas au moins 2 000 $, comme on est aux États-Unis d'Amérique. Photo de fou. Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais je voulais juste dire que je viens Spider-Man de et tu te retrouves à faire des petites photos de gens c'est qui font du frisbee sur un toit. C'est à chier. Il faut que je file chez Réunion. Mais si tu trouves l'essence de la vie new-yorkaise ailleurs, contacte-moi. Ouais, bah ça, c'est ça vraiment l'essence de la vie, quoi. À moi aussi, Robbie. Frisbee sur un toit. Pff. Oui, toutes les rediffs d'Adi de Sarlat sont dispo sur Twitch. Contrairement à malheureusement à YouTube qui a mangé son strike. La carte recense indique les activités des 14 quartiers de New York au fur et à mesure de votre progression. Blablabli, blablabla. Chaque quartier possède 3 paliers de récompense. Le second palier de récompense vous permet d'utiliser le voyage rapide. Ça, c'est pas mal. Pour ce TP. Sélectionnez un quartier pour avoir votre progression. Ok. Explorez la ville pour découvrir les activités. Très bien, mon frère. Là, on a fait la photo. Là, je crois qu'il y a du crime. Est-ce qu'on irait pas en bande organisée sur le crime, les gars? Moi, je pars en bande organisée. Il y a de la photo ici. Il y a l'essence de la vie ici. Attends. On y passe. Je vais capturer un peu l'essence de la vie, non? Cette photo normale. Il est où mon appareil photo? Comment je le sors? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est littéralement là. Le trottoir est trop petit. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. J'ai l'impression que tu décris mon travail tellement les bagels de New York. J'ai l'air comme si rien ne s'était passé. Je savais que tu dirais ça. Il y a autre chose. Attends, je peux plus sortir l'appareil photo là? C'est quoi ce bordel? Je pensais que ça pouvait t'intéresser. Bah, le pad vers le haut, ouais, moi. Ce que j'essaye de faire, mais. Vous êtes sûr qu'il y a un truc.
Ah, on est bien dessus. Hein. Je me suis endormi pendant la grande présentation. Ah, attends. Eh oui, bah oui, oui, oui. Je me permets, hein, je me permets de capturer la vie un petit peu. C'est parfait. Voilà, c'est bon. C'est 150 d'XP directement. Ma grand-mère me racontait ses promenades là-bas. Elle empruntait le pont. Oui, elle me raconte pas ta vie, par contre, je t'envoie juste des photos gratuitement. De c'est pour de l'XP, mais. Ma grand-mère me racontait, pff, la vie de marché, c'était énorme. Quand j'allais chercher les olives. Oh. Ce couple se fait attaquer. Il faut faire vite. Regardez qui était dans le quartier. Attends, ils sont où les frères? Attends, il y a Miles Morales qui est là. Oh, quel hasard. Dégage de mon chemin. Mais attends, le mec s'est fait une entorse de malade là, quoi. Il a essayé de me frapper, on est d'accord. Merci. On devrait partir en tournée. Hein. Ce sera enfin l'occasion de plancher sur une Spider-Mobile. Excusez-moi, je vais essayer de capturer l'essence de la vie un petit peu. J'en ai mal aux genoux rien qu'en te regardant. T'en veux pas de cette photo là, Robert Robertson? Hop, il a disparu. Il s'en est allé, il est parti. Ah ouais, des fois tu le croises du coup. Alors qu'est-ce que tu foutais sur ce toit sans faire le mec? On est au moins... Ah, c'est pas un hasard quoi. C'est pas un hasard que tu sois sur ce toit, mon frère. Ok, on a ça là-bas, vas-y, j'y vais. Je vais aller faire des petits larcins là pour l'instant dans un premier temps. Histoire de me recalquer un peu. C'est plutôt l'essence de la mort, ouais. Mario Wonder, moi je pense qu'il y a un monde où on va le streamer un peu aussi, Mario Wonder. Je vais l'acheter sur les deux Switch, sur la Switch de ma femme slash la petite quoi. Pour jouer avec elle. Et moi j'aimerais bien m'en faire en live aussi de Mario Wonder, tester tout ça. Sachant qu'il a l'air vraiment cool. Assez simple à ce qui paraît, mais il est très bien. Vous avez grillé un feu rouge. J'arrive. Ah. Ça ressemble au cristaux de mémoire de Marco. Ouais, bon, on ira la chercher après, la mémoire de Marco. Là, je suis en course poursuite maintenant. Tu nous auras pas. Pas question. Voilà. Y'a des mecs qui veulent descendre? Je ne pense pas. Tu fermes ta gueule maintenant. Du coup, les photos, elles sont là-bas, de ce côté. Ouais, ils sont de ce côté. Je me permets hein, de capturer... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? New York, hein, c'est un peu le... un peu les bobos, hein. Les mecs sont en train de réellement de danser dans une... dans une cuve, quoi. Ça fait un bail que quelle horreur. Attends, on avait une essence de Marco avant d'aller faire le truc. L'essence de Marco... Marco le frère, son essence elle était où? Elle est là. J'aimerais bien aller la chercher. Avant de faire la. De continuer la mission classique. L'histoire. Et pas mal de verre aussi. Festival des anneaux, mais je te jure. Ça ressemble au cristaux de mémoire de Marco dont Miles parlait. Ouais. Il doit y avoir des ennemis autour, je pense. Ouais, c'est ça. Je savais bien qu'on se reverrait. Ah, on a Miles qui a débarqué. C'est du Miles, on est d'accord. Ah, j'ai du sable dans les bottes et dans les gants. C'est un cauchemar. Merci mon pote. Un nouvel Horcrux. Temps d'ouvrir ce cristal. Oui. Quelqu'un nous observe, Kinya. Et je ne veux pas que tu t'inquiètes. Je m'en occupe. Marco se sentait surveillé par quelqu'un. Et pourquoi on a ses souvenirs à Marco là? C'est quoi? Pourquoi il a tout disséminé partout? Très très bizarre cette histoire. Hein. On s'est récupéré. On est bien. On part sur la mission classique les gars. On a 1300 mètres. On va aller se balader. Putain, j'ai hâte de voir Venom aussi, hein, parce que ça c'était la vraie hype hein, de l'annonce évidemment de ce Spider-Man 2. Kraven, Venom, le symbiote, je sais pas vous dans l'univers Spider-Man c'est
quel est votre super-héros préféré, votre anti-héros préféré, mais j'avoue que moi, c'est Carnage. Et du coup, forcément, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait du film, eh bien, il portait très bien son nom. Hein. C'était un cauchemar, un carnage. Et pourtant, on avait Woody Harrelson, hein, qui est un excellent acteur, mais qu'est-ce que le film pue la merde. Au secours. Toxine aussi, hein, j'aime beaucoup. Ils ont pas su rendre honneur au perso. Tu es une géode, Harry. Ok, on l'a trouvé. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Bah. Ah mon dieu. Vu le premier film Venom, fallait s'attendre à rien. Bah, moi je vous trouve un peu du... Ah ça y est, les costumes les gars, les costumes, ok. Le premier film Venom, c'est un... on va dire c'est du divertissement classique. C'est-à-dire que j'ai pas été choqué du film, je l'ai pas trouvé spécialement bon, mais c'était un bon divertissement pour moi, voilà. Je dirais pas que le film Venom, j'étais en mode ouais, trop cool, machin, etc. Je trouve qu'au global, au cinéma, malheureusement, Venom a pas eu un très bon traitement, même dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, qui est pas excellent. Évidemment, c'est vraiment le pire des trois, et Dieu seul sait que j'adore la trilogie de base, mais voilà. Mais Venom 2, les gars, c'est une purge, quoi. Mais quand je vous dis une purge, c'est une pure catastrophe. C'est une merde. Je me suis endormi devant et c'était nul à chier, quoi. Avant d'avoir ce jeton de la ville, vous pouvez acheter des nouvelles tenues en utilisant vos jetons de la ville, vos pièces high-tech ou autres ressources. Ok, on va aller checker un peu ce qu'on a comme tenue. Vous pouvez également fabriquer de nouveaux styles pour vos tenues. Fabriquer les styles pour la tenue avancée 2.0. C'est quoi ça, style avancé 2.0? Ok. Les tenues disposant de styles possèdent 3 styles alternatifs en plus de l'original. Ah d'accord. Mais c'est stylé. Oh, le bleu comme ça. Des tenues styles supplémentaires se débloquent au fur et à mesure de votre progression. Achetez-les en collectionnant les ressources. Ok. Donc ouais, si tu veux... Oh là 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 là, putain, ça y est, les costumes, ça commence, les gars. Oh, le flou. Tenue chevalier arachnide. Mais ça... Ah, c'est ça dans le... Peut-être dans le... Oh, dans le pack, non, c'est pas ça. Oh là là, oh là 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 là, mais c'est une singerie d'avoir ça, par contre. La capuche, les gars. Je suis obligé de redevenir Dark Gigi. Atashi no namae wa Spider-Man desu. Orantia. Apocalyptique, très très stylé. Assassin des araignées, ouais. Et celui-là, il a un vrai style Moon Knight, quoi. Il a un vrai style Moon Knight, les amis. Je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, il est super beau. Et il a quoi comme... Oh là 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 là, mais c'est une singerie. Prend lequel? Ah, oh, ça par contre c'est trop bien qu'il y ait un style, qu'il y ait des alternates sur tout ce que tu veux débloquer. Parce que là, si tu le prends, ça c'est le Spider-Man donc classique, ça c'est Spider-Man, la vraie tenue classique on va dire. Scarlet Spider, tenue avancée. Et ça donne des trucs ou pas? Jetons de la ville, rien, ça donne pas de trucs supplémentaires, j'ai l'impression. Il y a celui-là aussi, hein. Celui-là, il n'en a pas il a pas d'alternative, celui-là. Au CD. Ils ont pas d'alternate. Alors que lui, en a. Les gars, on se prend celui-là, non? Oh, celui, il a un côté... comment il s'appelle? Ah! Mais tu sais, l'anti-héros, le, on va dire le... Oh putain, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Vous savez, celui qui ressemble à Deadpool, mais du côté de DC. Et qui est trop fort, et qui est dans Arrow, qui est... Oh putain, si, vous allez trouver. Non, c'est... Deathstroke. Deathstroke, merci. Je trouve qu'il a un côté Deathstroke. Putain, j'arrivais plus à trouver le nom, c'est catastrophique. Par contre, en noir, on est d'accord, c'est une singerie en noir, comme ça. Il est excellent. Cette tenue, elle est magnifique, quoi. C'est à quelle heure React? Bah vers 18h, bientôt, on faisait cette petite heure et demie de test, et après on continuera évidemment lundi. Du peu que je teste le jeu, bah on fera un débrief enfin, mais moi je me régale, hein. Je sais pas vous en tout cas. Regardez. Voilà, je suis le véritable Dark Sasuke. Je vais chez toi pour déposer un truc, la porte de derrière est déverrouillée. Ma lame, ma soif. Je sais pas, je suis parti en urgence ce matin, mais je te retrouve là-bas. Oh là là là. Ok, cool. Batman, vous êtes bien à l'école, Maïs et toi? Ah pardon, ouais, vous avez raison, Maïs à quoi? Vous avez complètement raison, j'ai pas regardé Maïs. Okay. Oh Maïs! Oh Maïs! Maïs c'est Dark Maul, gros! C'est une folie!
Trop stylé aussi, les gars. Nice. La différence entre le premier et le dernier, c'est que je préfère, à la limite, je préfère le premier parce qu'il a du rouge avec. Oh là 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 là. Ouais, le react, c'est juste après, les gars. C'est juste après le react. Oh, par contre, la, la tenue du spectre rouge avec les vaches qui sortent, trop stylé. La tenue Ajimat, waouh. Tu voyages aussi. Je pense que. Oh, la tenue Tokusatsu. Miles Morales. Ça fait très, très, très Power Ranger, je trouve. Très. Beetleborgs, Power Ranger à l'ancienne, ces tenues, la biomécanique. Oh, la biomécanique. La biomécanique, les gars. La biomécanique, c'est une singerie. Je prends ça tous les jours. La biomécanique, elle est incroyable. Mamma mia. Ouais, ça, les Super Sentai. Ce cul, regardez-moi ce petit cul, là. Ce petit cul en chair, là. Mmh, miam, miam. Ouais, je bah, de toute façon, on va alterner avec les costumes, mais ils sont tous très stylés. Hein. Et celui-là, bah, comme on l'a pris sur Peter, j'ai pas envie de faire redite. Et en classique, il a quoi? C'est la tenue améliorée. Fabriquer les styles. Maintenir carré. Ah, c'est pour faire les 4. Ok, ouais, c'est juste appuyer. Ouais, celui-là aussi, il a vraiment la classe. Bon, je pense qu'on va rester sur... on va rester sur ça. On dirait Nightwing le précédent. Ouais, il y a des grosses vibes. Bah d'ailleurs, c'était le jeu Gotham. Hein. Sur le jeu Gotham, je trouve qu'il y a des costumes qui ressemblent vachement hein, sur ce qui tombe là. C'est très stylé. Ah, Miles, il a vraiment de beaux costumes. Donc on peut fabriquer à chaque fois tous les trucs. Mais ça ne donne rien. Il me semblait qu'il y avait certains costumes qui te donnaient des trucs supplémentaires. Pour l'instant, c'est only cosmétique et nous, on part en mode Dark Sasuke et... Ouais. Et ça me semble parfait. Pas simple, ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ouais, bon, ouais, on espère aussi. Ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer? Annoncer à sa copine qu'on s'est fait virer. C'est quoi, ça? Les criminels ont caché des pièces high-tech dans toute la ville. Okay. De la vieille tech de l'underground. Ah, on va avoir besoin de ça. Senti une erreur. Je crois qu'il y a du crime à côté, les gars. Et je ne peux pas laisser le crime impuni, vous le savez. Je vois qu'il y a de la bagarre. On va aller aider les honnêtes citoyens. Attends, c'est quoi ce truc là? C'est le mec qui prend son temps entre temps. Je vois qu'il y a quelque chose ici là, qu'est-ce que c'est? Ah, il faut que je me projette, non, d'ici? Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, c'est pour aller plus vite, ok. Très bien, très bien. C'est juste des endroits pour aller un peu plus vite, je suppose, d'un point à l'autre. Je me permets. Hein. Ah, non. C'est juste pour aller dans le mauvais sens, tant pis. Oh, ça faisait longtemps. Attends, comment... Spider-Man est devenu surfeur entre temps. Il fait vraiment tout, ce Spider-Man. Il peut marcher sur l'eau. Excuse-nous. Jesus. La cape me fume, moi aussi, elle me régale. Bah, c'est pour ça qu'on a pris ce costume. Hein. La pure régalade. Bon, il y avait un petit crime par ici, par là. On va aller le résoudre. Que cette vente soit bien légale. Complètement d'accord. Bonsoir. Désolé d'interrompre la transaction, mais... Non, c'est bon. Allez, abandonne. Pas couvert. Oh là là là, ce que je leur ai mis! Sans bavure, propre, net! C'est ça le problème en affaire! Comment il marche? Parfois, on tombe sur une araignée. Allez, je repars! Ce petit quartier bien sympa! Wisteria Lane! Oui, on rappelle que Spider-Man ne tue jamais. Moi, c'est ce que je dis toujours quand on joue à Spider-Man. Spider-Man ne tue pas, mais il rend
paraplégique. Ça, c'est une certitude quand on voit ce qu'il arrive à mettre de temps en temps, d'accord ? Ok. OMJ. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef ? Bah. C'est assez pratique en ville, mais. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve à MJ ? On comprend pas. Elle a l'air chiante comme la mort, elle. Moi, je trouve que c'est. J'espère qu'on rejoue pas. J'espère qu'on la rejouera pas à MJ dans ce jeu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était vraiment les pires phases de gameplay avec elle. Oh. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en une. Venom peut la garder, mais oui, s'il pouvait la transformer là. Je suis désolé. Ah oui, on slip MJ. Hein. Vraiment, c'est les pires phases. Comment te dire ? Bon, c'est bon, j'ai compris. C'est tout comme. On va encore se régaler. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine. D'accord, tout le monde est Team Gwen. Personne n'est Team MJ. Dans ce cas, ça devrait aller, parce que tu es leur meilleur journaliste. Y a quoi là-dedans ? Team Gwen ici. Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Tim et Maston, forcément. Oui, bon, après, chacun sa Gwen. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville. Là, je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Et est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion ? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Ouais. Ils veulent pas être genre... Je vais juste faire un peu de rangement. Être normaux et vivre ensemble en fait. Au moins que là ils vivent ensemble, je sais pas, j'ai rien compris. Bref, on va faire du rangement, donc là on va vraiment faire du rangement avec... Non, on est joué à Spider-Man. Jouer à ce truc. Il faut juste que je libère du temps. Speed and Onagon, ok. J'en ai rien à foutre, moi je veux jouer à Spider-Man là, je veux pas jouer aux Sims. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Je vais manger une banane là ? C'est dommage, ce décor n'est pas marché. Tu vas faire quoi maintenant ? Je sais pas trop. Team tente mais tous les opus tous les jours. Mais... chef, y'avoue, chef ressaisis-toi là dans le chat. Tu pourrais vendre la maison ? Le gérontophile. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais. Je peux pas. Non, ils vivent pas ensemble, elle veut rester vivre dans le centre pour plus de détails dans les comics, ce qui se passe entre les deux jeux. Il y a un comics adapté, Cotterwood, de... parce que j'ai cru comprendre que l'histoire ici sur le jeu est une histoire différente hein, des comics évidemment. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Tante May de Spider-Man Far From Home, c'est vrai que cette Tante May, honnêtement, ça va. Par contre, la Tante May du jeu là, bon, déjà elle est plus là, mais. Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement ? On en a déjà parlé. Non, il y a un comics qui est lié sur. Qui est lié au jeu qui a été produit. Ah ouais, je savais pas, putain, trop cool. C'était quand la dernière fois que t'as dîné à la maison ? Bon argument. Il est bien ce comics ou pas ? Est-ce que ça vaut le coup de le lire ? J'ai ramené des comics des États-Unis d'Amérique du Nord. Quand j'étais. Ok, excuse-moi, je dois scanner l'environnement. Quand j'étais donc à Orlando. J'en ai quelques-uns. C'est des factures régulièrement monthly payment, 4 419 $. Oh là, oh là là, oh là. Ah oui. Mère hypothéqué la maison pour que le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Ah oui. Interest rate 6.89. Oh là là, bah les États-Unis d'Amérique là, c'est pas cadeau hein. 4 764 $ là les amis, il va falloir bouger hein. Ouh là là, Peter. C'est pas en perdant ton job que tu vas t'en sortir. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Donc qu'est-ce qui t'arrive MJ ? Tu fais quoi dans la buanderie ? Me dis pas MJ que tu es stuck dans la washing machine. Tu as besoin que je te débloque ? Non, ça n'a rien à voir. Ok, pardon. Est-ce que tout ça est à mai ? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux les donner à qui ? Une vieille photo de toi, trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Voilà.
Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Bah, je crois que c'est surtout pourquoi quand t'avais pas tes pouvoirs. Hein. Oula, qu'est-ce que tu lui as fait au mur? Peter, mais des... Peter découvrait sa sexualité, il mettait sa bite si dans le mur. Il a fait un petit visage. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me fait? Salut. Sur 100 Français, combien mettent leur bite dans leur mur? Allez, on va prendre quelqu'un au hasard dans le public. Ça va, Peter? C'est un mur porteur, je pense. Hein. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Moi, on verra peut-être qu'il y aura la question dans le react tout à l'heure. Le malade. Ah, par contre, il vit comme un clodo, hein, sans faire le mec. T'as une baraque de fou. T'en fais pas, ouais, mais enfin. Je vais perpétuer ta recette de galettes. Non. Genre, mais on peut jouer à Spider-Man, s'il vous plaît. Ça rentre dans la pièce où la photo a été prise. Ok, j'y vais. Et alors, si c'est pas un mur porteur. Tu veux que je mette une droite dans le mur? Oui, c'est le début du jeu, mon cher. Où est-ce qu'il était, ce trou? On est dans le début. Ah, t'as loupé là, toute la grande phase de gameplay de départ où c'est fait intelligemment, mais on en reparlera un peu avant le react là, quand on fera les débriefs des impressions de ce premier test. Mais avec tes lunettes énormes. Ouais, on dirait des images générées par des IA tellement c'est moche. Mais mec, qu'est-ce qu'elle avait là? Là, c'est plutôt juin en face de nous. Ah, t'as compris la vanne? Oncle Ben, quelle classe! Oh la vache. Si drôle que ça. Il a tapé. Bah, il a, je pense que Speed. C'est possible que Peter Parker, il était en live sur TikTok, on lui demandait si c'était un mur porteur, et voilà. Putain, droite dans le mur! Ce qui a fait ce bruit? Quel bruit? Peter. Oh, j'ai. J'ai cru entendre un rat dans le mur. Du coup, tu l'as explosé. Peter, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? C'est rien. J'ai juste. C'est pas un mur porteur. En même temps, un mur porteur, les gars, aux États-Unis, leurs maisons, elles sont en papier, on le rappelle. Hein. C'est du paplard. Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot. Faut vous dire que si j'avais tapé dans le mur chez moi, que j'avais fait un trou comme ça. La discussion, c'était pas. Quand j'avais ton âge, j'ai fait un concours d'éloquence. J'aurais pris une putain de droite dans la gueule. Pas dans le mur, mais dans la teuté, mon frère. Au tableau d'honneur, je me suis planté. Au lieu d'être doué pour plein de choses, je ne réussis. J'aurais pris une tarte dans la gueule. On peut dire que oui, hein. J'ai levé le pied. T'as toujours pas vu le masque, hein. Si jamais. La recherche. Elle est vraiment aveugle. Ce n'est pas un sprint. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Un soupiche ou quoi? Et je m'entraîne encore. Allez. Et là, il dessine que sur le mur. Non, mais ça, c'est bien des Américains, ça. Ça, c'est bien une famille un peu trop américaine. Et c'est comme ça qu'est né le Glory Hole, guys. Oh Peter! Je peux pas trop me charger. Ouais. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir MJ. Allez, retournons voir MJ. Bon, il peut pas courir là. Bon frère. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft. Ok, la plombière. Pour une évaluation. Tu sais lesquels? Non, mais je vais vite le savoir. MJ! Harry! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolé. Harry Potter? Harry! Il a survécu! Tu m'as manqué! Oh mon dieu, quel homme là! Toi aussi, mon pote. Oh mon dieu, quel homme! J'ai appris pour mai. Je suis désolé. Harry Potter! Et comment c'était? L'Europe.
En fait, j'étais soigné en isolement ici à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Gage échant, Harry, en rien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island ? The boys will lift. Ça marche. Il était en rehab. Non, il était en cure de désintox. Ils aiment trop dire Europe comme si c'était ça. Interdit. Oui, bah souvent dans les films et tout. Ah, il est parti en Europe. T'es vraiment. T'as les États-Unis et le reste du monde, quoi. Quoi ? Non, mais tu rigoles ? Tu veux entrer ? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. On rappelle, hein, Harry multimillionnaire et roule en polo, là, on a envie de tout casser. Bon vieux temps. Qu'est-ce qui branle ? C'est ma vieille bécane ? Non, j'ai trouvé sur internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais. Grave. Hé, hey, y a même les autocollants et tout. T'es sûr que c'est pas dingue. C'est vrai. Ouais. On va où? Chez Ken Bogart. Allez, me perds pas de vue. Le mec il a une canne hein, pour marcher. Par contre il peut faire du... Attends, mais on va vraiment faire. Oh ouais. Ok. Je pète la forme. Mais la c'est incroyable ce Spider-Man. Mais... Là, je suis de plus en plus surpris du gameplay. T'as plus d'énergie que moi au final. Ok. Alors, après, c'est pour faire avancer l'histoire. Qu'est-ce qui ça t'a va. Autant occupé ? Surtout de la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Ils s'entendent vachement bien pour des mecs aussi loin. Unique. Le Vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au maths. Rien à voir avec le Vénard, mais bon. J'ai lu des trucs sur mon ancien chef, le Dr Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Ça développe les persos, c'est bien. Oui, en vrai, je troll, mais moi, ça me va. Pourquoi tu m'as pas dit que c'est bien d'avoir des petites phases de gameplay un peu plus lentes comme ça aussi. Mais tant que t'en apprends sur l'histoire. Mais tu vois, par exemple, les phases de MJ, plus la merde. Ça, je persiste et je signe. C'est nul à chier. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve ? Oh ! Un truc expérimental. Attends, on est à Midtown High ? C'est ça notre destination en fait ? Je peux ni confirmer ni infirmer. Attends, Midtown High, mec. Qu'est-ce qu'il dit hein. Ah, mon oreille qui me rate, ça fait plaisir. On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Oh non, est-ce que ça va? Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi? Padmé existe. Oui mais Padmé est pas dans le jeu, tu vois ce que je veux dire? On avait passé des personne me force à la jouer quoi. Et la présentation avait lieu le lendemain? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. Mais vous rentrez par effraction, monsieur, je reconnais ça. La voie est libre. Par contre, hein, le non-flow de Peter Parker, format des lunettes. Quasi sûr. Là, s'il a déjà ses pouvoirs, enlève tes lunettes, frère, sois normal. J'étais sûr. Enfin, je le suis. Mais pourquoi tu reposes la question? Je sais pas. Attends. C'est Rick Labourique. Qu'est-ce qu'il fait là en fin de soirée? Bah, il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars, elle est top des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les années. Vise quelque chose de bruyant. Dans cette équipe à l'approche de la phase finale. Non, trop salissant. Que les joueurs soient au rendez-vous. Flash, attention, plaquage imminent. Un petit bug ? On veut faire du bruit, pas dégrader le bâtiment. C'est très bien défendu. On revient maintenant sur le home-play. Super. Bien. Là, le mec se dit pas, c'est bizarre, quoi. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ?
Un chariot qui a foncé tout seul dans... Non mais... Eh, j'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux, heal the world, ouais. Make it a better place. For you and for me. Pardon. Non, guérir le monde, ça m'a... De suite, ça m'a galvanisé en MJ. Hey, qui est là? Qui est là? Ça va mal, ça va mal. Oh fuck, mate. Fuck. Oh non, non, j'ai plus que ça. Je cours. Il est au-dessus. Où tu te caches, petit merdeux? Ah. Le mec, on dirait qu'il a 160 ans, il a une petite voix de jeune. Où c'est que tu te caches, petit merdeux? Des petits farceurs, hein? Ah, sa voix va pas avec son corps. J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. Vous avez un peu de... C'est des réserves de fluide, vous, un peu aussi chez vous? Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Au labo photo, il a des réserves de fluide. Le gars, il est... Il en est partout. Bon, Bibli, labo photo. Labo photo, gymnase, gymnase, casier. Ah, facile. Oh, qui m'a pas vu, hein. La voie est libre. En avant. Un max de fluide. Pardon. Bah, maintenir. Pardon. Non, c'est moi qui suis con. Hey, oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du prochain. Là, il voit pas. Là, il voit pas un mec. Écoutez, les gars, dans ta vision périphérique, normalement, tu vois tout là. Je suis désolé. Hein. Je vois une petite araignée marcher au plafond. Alors, un humain. Ah, parce qu'il faut appuyer sur les deux en même temps. C'est pour ça. Ça me fusille quoi. Il a une casquette. Ouais, c'est vrai qu'il a une casquette, les gars. Vous avez raison. Ça peut tout changer, la casquette. La casquette K. Ok. Où j'ai rangé mon fluide de toi? Ah, je crois bien qu'il est là, ton fluide, mon pote. Qu'est-ce qu'il nous fait pendant ces heures de course, celui-ci? Le SU. Le docteur Octavius y donne une conférence le mois prochain. Le SUV. Il faut que je prenne des places avant que ce soit complet. J'avoue, elle a un petit côté culte des héros. J'ai la ref. Ouais, ouais, ouais. Juste envie de me faire peps. Avec Harry, on était monté en haut d'un vieil escalier rouillé pour faire ce cliché. Oh, mais je reconnais, c'est Webedia, ça. J'avais croisé MJ après l'avoir prise. J'avais pas réussi à me décider entre Hello et Salut. Et ça avait fini en... Hello. Bon, ça, après l'avoir prise. Enfin, Peter. Peter ne donne pas tous tes détails de ta vie sexuelle. Ouais, j'ai croisé MJ après l'avoir prise, bien... Bien comme il faut, quoi. J'ai très envie de vous prendre, le tien. Bon. Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ok, c'est là. Ah, trouvé. Mince. C'est sûr que personne le voit, hein, vu que personne fait le ménage, du coup. GG pour ça. Hein. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre Harry au gymnase. Oh, le gymnase est de l'autre côté des hélices. Je vais traverser. On y va. Que le jeu est devenu très sexuel hein, depuis. J'avais oublié qu'il était là. Depuis quelques dizaines de minutes. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. En diversion. Est-ce qu'on va créer en diversion?
On va péter ça. Hop là. Mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, qu'est-ce que c'est ? Je vais taper en sprint. Voilà. Hop, hop, hop. Reste où t'es, petit. Arrête de courir maintenant. Je suis sûr qu'Harry est déjà au gymnase. Je dois faire vite. Le mec, quand même, son premier réflexe, il a entendu des ballons péter. Il a dit qu'est-ce que c'est ? Il allait vers les ballons. C'est comme s'ils allaient genre réapparaître, tu vois. Rick, là pour Rick ! Il faut que je l'éloigne de cette porte. Oui, oui. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Oh, tu m'as pas vu, hein. Voilà. On vient pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Ah. Un peu trop pressé. Oh, excuse me, man. Un peu trop pressé. Un peu trop... Non, c'est vrai, un peu trop pressé. Pardon. Rick, là pour Rick. Il faut que je l'éloigne de cette porte. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ok. Voilà. On vient pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. Hop là, il m'a pas vu. Pas un bruit. Oh non, non, il va se taper contre son pote. Eh ouais, évidemment, la classique. Oh. Harry ! Oh, la vache, je croyais qu'il t'avait eu. Moi aussi. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même. T'avais pas froid aux yeux, toi ? Sacré gaillard. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme ? Ok, Kobe. Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. À chier. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Eh, hey, Peter. Oh là, ouais, attends. Ah, je dois incliner. Mais attends, mais c'est on je joue NBA 2K ou... Oh là là, je dois incliner la manette comme ça. Oh, vous êtes prêts ? Je vais tirer. Hein. Bien visé. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. La vache. Merci. Kobe en fait, Bryant. J'ai pas vu comment t'as transformé la maison de mai. Swoosh. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Plus la merde, hein, par contre. Harry. Je comprends. Donc ça les mecs sont rentrés par effraction dans leur ancien lycée pour taper un petit basket dans le gymnase. Presse pas. Ok, en avant. Ouais bah attends, bouge, hop, je veux juste mettre un petit perfect. Voilà. Bah peu importe d'où je tire, hein. Hop. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc. Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Non, son de ma route est dure, là, ah. Franchement, ça fait un quart d'heure que c'est du, de l'histoire, genre sans... Bien aller entre vous. On va dire gameplay naze, quoi. Non, tout le début est une masterclass, hein. Tu viens d'arriver, je pense, seulement. On verra bien. Le début avec l'homme sable, c'est comme vraiment toujours, une scène. Avec le temps. On a débloqué les costumes, on a regardé un peu bah, justement les costumes qu'on avait de la version Deluxe et tout. Pas mal. C'est juste que, effectivement, là, ça, le problème, c'est que là, pour moi, ça casse le rythme. Quoi. C'est quoi le score ? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Bon, pour nous, on serait bien passé. Hein. Le truc là, c'est qu'on n'a pas. Mais je veux bien développer les personnages, mais là j'ai rien appris de plus sur Harry ou quoi. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances ? Tu saurais retrouver ton ancien casier ? Bon, après, c'est agréable à regarder. C'est vraiment un petit film interactif, quoi. Bon, c'est pas tu un truc qui me dérange. Où, ce gardien ? Faut pas que ce soit juste trop long, quoi, parce que je veux jouer à Spider-Man. Alors, on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Justement, je pense que s'ils nous mettent ce passage-là, c'est que la clé USB doit être un. Va être importante. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, faut passer ce passage. Mais non, mais je veux pas passer les passages du jeu. Je joue au jeu pour l'histoire. C'est de gagner le concours demain. C'est juste malade en fait. Ok. C'est toujours pas ce qu'ils veulent vraiment récupérer avec cette clé USB. Hein. Oh, on n'aura pas l'info. Hello. C'est pour moi. Wow. Ok. Merci. Mangue fruit du dragon. Tu me connais toi. Fatigué ? Merci mon cœur. Alors ? Bah oui. Bonsoir.
Vas-y, j'ai changé de micro. C'était bien l'école ? Ouais. J'ai changé quoi ? Parce que je voulais changer de micro pour avoir un meilleur son. Pour que les gens, quand ils m'entendent parler, ils se disent « Waouh, le mec a une voix en or, tout simplement. Ouais. » Quand je parle comme ça, quoi. Bon, toi, ça s'est bien passé l'école, alors ? Oui ? Ok. Qu'est-ce qu'elle va me montrer ? Oh là là, ben on est dans le thème, je joue à Spider-Man. Je joue à Spider-Man 2. D'ailleurs, il est 17h52, les amis. Dans 5 minutes, là, on va faire on va sauvegarder, puis on va partir sur le React tranquillement. En bombardement. Ok. Ok. Peu importe. Comme tu le sens. Est-ce que tu veux qu'on y aille ou qu'on y aille tranquillement demain, quoi qu'il, c'est pas très grave. Pour la petite ou quoi. Vous êtes allé dans une classe de CE1. OMG, c'est toi qui l'as fait l'araignée? La vache, elle fait super peur. Ça, et les petites comme ça aussi? Oh là là là, t'as fait 1, 2, 3, les citrouilles d'Halloween. Ça, c'est des fantômes? Oh là là, les amis, je vous montre. Attention, l'araignée. On est dans plein Spider-Man, donc ok. Là, je joue à Spider-Man en plus, tu sais. Donc c'est pour ça. C'est le hasard. Hein. Elle est magnifique, ton araignée. Là, je joue à Spider-Man. Là, je suis en tant que Peter Parker. Ah, tu peux pas voir la collection et tout, mais je joue à Spider-Man, là. Je fais des petites photos. Je suis en technique Spider-Man. Regarde, Spider-Man, ici. Boum. Elle voit pas bien. Ouais, t'as des yeux, quand même. Regarde, Spider-Man qui se bat. Spider-Man qui esquive. Chut. Esquive parfaite. Tu veux voir peut-être Spider-Man qui met une patate à un man. Mange ta mère. Hop, jeter d'objets. Spider-Man qui jette des objets. Ouh, ouh. Tiens. Contre les méchants qui nous attaquent. C'est le Spider-Man. Eh ouais, je sais que t'aimes bien ton Spider-Man. Mmh. Bon, les petits Spidey. Mmh. Oh non, non. Laissez-moi tranquille. Elle t'a montré. Et toi, t'es en mode, oh, est-ce que c'est bon pour vous? C'est un très beau... C'est un très beau dessin. Il faut qu'on l'accroche dans la chambre, comme celui que tu m'as donné avec Laurent Doudou. Oh, je t'ai pas montré Hurlequeue. Je te montre. Je t'avais dit hier que je te montrais Hurlequeue, le Pokémon Paradox. Ouais, je te l'envoie. Tiens, regarde. Je te montre juste avant. T'es prête? Hurlequeue, hein. Je t'avais dit que je te montrais à quoi il ressemblait. Regarde. T'as vu? C'est Rondoudou avec une queue. C'est trop stylé. On montrera à Tata, elle aimera bien celui-là. Hurlequeue. Et il y a une carte. Peut-être dans Paradox où il y a des hurlequeux. On essaiera de l'avoir. Ouais, c'est celui-là. Bah, c'est Rondoudou, mais du passé, je crois. Hurlequeux. Rondoudou normal. Rondoudou, c'est ça. Rondoudou classique, il est beau, hein. Et tu sais très bien le dessiner en plus. Doudou, Rondoudou, Rondoudou. Rondoudou, gros doudou. Il y a tout doudou. Tu connais tout doudou aussi? C'est la sous-évolution. En fait, c'est un bébé rondoudou, c'est tout doudou. Ça fait tout doudou, rondoudou, gros doudou et hurlequeue. Très bizarre le nom, mais ouais. Bon allez, continue. A tout à l'heure, mon cœur. Kekrakos. Qu'est-ce que c'est que ça? Une parure de couette. Ok. Pour la chambre? Ou pour la chambre d'amis? Bah oui, je me doute bien. GG. Attention, ma puce. C'est vrai qu'il y a Rondoudou, tout doudou, c'est roi de ce monde. Voilà. Oh, oui, si tu veux, mais ça va être le jour où tout a basculé. Je sais pas si ça va. Bah non, je faisais une petite. C'est pour ça que j'ai pris de plus tôt. C'est parce qu'il y a le React après. Je finis un peu speed. Bah là, tu peux le mettre, hein, je suis en train de finir, mais. Voilà. Donc voilà. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi, je t'aime. Dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je passe par là. Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage 3. Il y a quelqu'un? Et il va rentrer dans l'ascenseur tellement il est con. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est un comportement normal, d'humain normal. Non. Disparu. Clairement, j'ai eu du vol. C'est quoi
ce truc? Fuck, mate. Sérieux, comment t'as... Vas-y. Prends-le. C'est ton cock ring. Oh, regardez, il y a un mec en bas. Qui est comme ça. On voit encore un gars avec... Oh là. Oh, la poisse. Qui est là? Ah, oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise? Non. Cours. Oh. Hey. T'abuses. On va se faire arrêter. Ils vont super vite, en tout cas. Hein. Hey, t'abuses. Et il croit à toi, alors. On n'arrive pas à y croire. Arrêtez-vous. Oh, les vilains. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère. T'as toujours la clé? Ouais. Y'a plus qu'à passer ces portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appelé les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Mais... retiens-les encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi moi? Tu te fais pas jamais? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Oh la clé USB. Il va l'avoir? Évidemment. Police, dépêchez-vous! Bonsoir. C'est vous qui avez appelé? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. C'est tellement con. Frère, t'es Spider-Man? Je suis sûr qu'il se planque dans le coin. Mes hommes cherchent, mais on a besoin de votre déposition. Bon. Vous avez vu quoi? J'essaie de sauter en mode, j'en ai marre, je suis suicidaire. Je veux dire, le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez... C'était quoi ça? Venez voir! Vous avez vu quoi précisément? Wow! On prend une photo. Ça dure plus longtemps. Bougez pas. Je reviens tout de suite. Ok. Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. Il t'a tabassé. J'ai vu ça dans un film. Ces gamins et leur canular débile. Comme si j'avais le temps pour ça. Super. Je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Elle a sûrement préparé du pop-corn et le thé que j'aime bien. Je l'ai. C'était quoi ça? Oh, comment je me sors de là maintenant? Bah tu te barres, frère. I just wanna tell you how I'm feeling. Sale gosse, il est dans le bureau. Il se prend ricole. Never gonna give you up. Il s'en fait Rick Brown. Never gonna give you up. Bon. Never gonna give you down. Mais non, on s'est tous fait Rick Roll, les gars. C'est incroyable, le passage est galerie de fou. Vraiment bien joué à eux. C'est pas la police. Attends, quoi? Il y a carrément des... Ah oui, j'allais dire, bon, ça va un peu trop loin. C'est mon père. Hein? Never gonna give you up. Never gonna give you down. Down around the ground and around you. Papa, je t'ai dit que je t'appellerai en rentrant. Non, mais je viens te chercher, c'est plus rapide. C'est ta mère. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Peter, tu nous excuses une minute. Press F in the chat, please. Press F to pay respect. Harry, c'est quoi ça? Avec notre présentation, on aurait gagné à tous les coups. Il s'est passé un tas de choses en 10 ans. C'est un miracle qu'on soit là tous les deux. Fuck, mate. J'ai eu une seconde chance. Et je compte bien en profiter. Mais je veux que tu sois à mes côtés. Comment ça? Ça fait... beaucoup d'émotions d'un coup. Tu devrais passer au labo demain, pour te faire une idée. T'as déjà un labo? Je te ferai voir quelques-uns de mes projets. Mais comment tu peux être étonné? T'as déjà un labo, le mec est multimilliardaire. Ça marche. T'as pas de soucis d'argent. Hello.
On se wake up. On va guérir le monde. Heal the world. Après, je devrais lui dire je suis Spider-Man, comme ça il va vite comprendre qu'il y aura quelques, quelques absences répétées. Ok, oh, yo yo yo. J'aimerais trop que ça existe vraiment ces avions là. Ça existe pas ces avions en vrai. Je trouve ça trop stylé moi. État des lieux. Le manoir et la reine sont presque achevés. Éclaireur, au rapport. L'homme sable nous a échappé. On doit faire une croix dessus. Alors ce n'était pas lui. Bien reçu, en attente de vos ordres. Soyez prêts pour le transfert demain. Et ne me décevez pas cette fois. Oh my god. Et j'en étais sûr. Sois normal, mec. Tu veux pas écrire. Tu veux pas écrire sur ton bureau. Oh là là, l'américain lambda, quoi. Il boit son soda dans son bed. 30 heures de jeu et 45 minutes de gameplay. Mais les gars, c'est le début. Ça pose le décor, là, l'histoire et tout. En plus, on a beaucoup joué au début. Hein. C'est le seul moment où il y a beaucoup de cinématiques. Moi, ça me va. Je suis là pour l'histoire. Ça a l'air cool. Tu m'expliques en route. Putain, ce qui est trop bien, c'est que vous avez vu, il avait le costume que je lui ai mis tout à l'heure. Du coup. Même... Oh lui aussi, oh, c'est magnifique. Regardez le costume tâle et fou qu'on lui a mis. Hein. Oh. La gueule du masque. Me regarde pas comme ça, pas. Je m'accorde une pause. Masterclass. Ouais, ça c'est cool que tout soit intégré voilà, justement micro. À l'histoire. Ça se passe bien ton essai? Ça se passe. Mais je vais faire un tour. Puis t'as besoin d'un coup de main. On va juste... Je préfère ne pas savoir les détails. Eh, hey, ça va aller, moi. Espera un momento. En espagnol. Tu sais, il y a eu pas mal de nuits récemment où tu t'es retrouvé à travailler tard. Ouais. Et où moi aussi, je travaillais tard. Merci pour le sub. Merci pour les subs, les frérots. Me regarde pas comme ça, je suis pas recherchée par la police. C'est juste que... J'étais à des rendez-vous. Galant, en réalité. Ah, d'accord. Et il y a cet homme que j'ai déjà vu plusieurs fois et... Et ça se passe plutôt bien. Comment tu peux faire ça, papa? Où tu veux en venir, moi? J'aimerais bien l'inviter. Je ferai du patelon. Je suis sûr que je peux me trouver des speeder trucs à faire. Histoire de vous laisser tranquille. Non, je voudrais que tu le rencontres. Et qui te rencontre lui aussi. Mais si ça te met mal à l'aise, je comprendrai parfaitement. Non. Tu sais, tu m'as eu à Patelon. Ah, ça doit être dur en vrai, mais c'est normal aussi, elle reconstruit sa vie. Hein. Elle reconstruit sa vie, son mari est mort. Bien sûr. Faut bien qu'elle le fasse, quoi. Déjà, son costume vient de l'espace, il est trop stylé. Je crois que c'est les costumes qui viennent de l'édition de luxe, du coup, qu'on a pris. J'ai pris la numérique. 90 balles quand même, mais c'était pour me faire plaisir, voilà. Eh ben les amis, ça part en game. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que voilà. J'aimerais continuer. Utiliser les Delta Toiles à l'intérieur des couloirs de vent pour vous déplacer rapidement. Attends, je vais quand même tester ça. Oh, c'est une... Un autre là. Wouhouhou. Let's go. Non, c'est une singerie, le jeu est trop bien. Je commence à choper le truc. Ça me la régale. C'est Superman. Superman 64. Qui a bien évolué quand même. Hein. Graphiquement. Encore un courant d'air. Un petit courant d'air. De la hauteur. Je prends de la J'adore hauteur, mec. Quand il y a du vent. Franchement, c'est très stylé. Tiens, Miles, courant d'air ici. Je suis en train d'arriver au raft. T'es en route? Super. Moi, j'arrive. C'est pour qui le babysitting? MJ a appris que Scorpion va être transféré à Ravencroft.
Le centre est à court de ressources pour l'encadrer. Ça suffit, stop. On arrête, on arrête, c'est trop bien, on arrête, on n'en peut plus. Voilà, on va se mettre là. Et on va s'arrêter ici. Voilà. On s'arrête. Excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai à peine effleuré. Et tu tombes. Sois normal, mec. C'est bon. Je me mets là. L'acteur, l'acteur. Les amis, pour ceux qui viennent nous rejoindre, on va s'arrêter là. Les costumes, honnêtement, méga flow. On a pris la tenue chevalier arachnide avec le dérivé. Vous pouvez voir, il y a toutes les dérivées là sur Peter. On a pris le noir là, très très bresson, quand je mets la capuche IRL aussi. Et du côté de Miles, pour pas faire redite, parce qu'il y en a un qui ressemble un petit peu, ça a vraiment un côté Gotham d'ailleurs, tout ça. Lui, là, il ressemble plus à Dark Maul. On a pris ça, je trouvais très stylé aussi. Puis de toute façon, on changera les costumes au fur et à mesure. On se fait plaisir. Toast Safe Control, j'aurais jamais arrêté. Ouais, moi, ça me donne envie de continuer. Mais on est. Et les gars, il y a le vendredi React. J'avais dit qu'on jouerait 1h30. On va continuer le jeu, bien évidemment, lundi, vous vous doutez bien. Putain, il est stylé ce costume aussi. Regardez avec. J'adore. Il y a trop de beaux costumes. J'espère qu'il y a le retour du costume de Spider-Verse que j'adorais utiliser en mode 10 FPS là sur le premier Spider-Man. Bref, peu importe. Messieurs, dames, nous on va se laisser là sur Spider-Man et puis on va partir sur le React. Je vous fais quand même un petit... un débrief, c'est un grand mot, mais voilà, hein, je vous donnais mon avis sur le peu de temps qu'on a joué. On a fait quoi? On a joué 2 heures quasiment au jeu, je dirais là, à l'heure actuelle. Le jeu est vraiment dans la lignée de ce qui s'est fait avant, c'est pour moi l'histoire. Enfin, tout simplement, l'envie de continuer l'histoire qui fait que le jeu est extraordinaire. On vient que d'effleurer, évidemment, le début. Et le début qui est assez dynamique, d'ailleurs, avec cet homme sable. On pose un peu le décor, là, avec les Horcruxes. C'est pas des Horcruxes, mais vous avez capté les souvenirs de l'homme sable de Marco pour voir un petit peu ce qui va se passer. Le fait de développer un peu les personnages. On verra ce que ça donne au niveau du gameplay. Là, tu vois, on a eu un peu de gameplay avec Peter en mode infiltration et tout ça. C'est pas forcément ce que je préfère. Mais bah, ça permet de casser un peu le rythme aussi. Alors, de temps en temps, ça peut être bien. À voir s'il n'y a pas trop de récurrence là-dessus. Parce que bon, le moment où je suis en train de nettoyer la maison de Peter, j'en ai bien rien à foutre, hein, je ne vais pas vous mentir. Voilà, mais le jeu est trop bien. Enfin, j'ai vraiment envie de me la régaler. Et n'oubliez pas qu'on part sur un let's play complet ici. On va se terminer, on continuera donc lundi. On va faire que ça et on va se mettre très très bien. Après, il fallait faire un semi-tuto. Ouais, clairement, le début, c'est normal. C'est pareil, il y a peut-être des gens qui commencent avec le 2. Bizarre, mais ils commencent avec le 2. Donc, faut toujours ramener les bases et tout ça. Et même pour moi, tu vois, qui est tout fini et tout ça, c'est bien de te remettre un petit peu les bases, de te remettre un peu dedans. Donc, c'est très très bien. N'empêche, 2 heures de gameplay, toujours le début de l'histoire, ça a l'air d'avoir une longue durée de vie. Je pense que Straight, ça doit être quoi de l'histoire pure et dure. Je sais pas, 25 heures, non, un truc comme ça. J'ai pas regardé les tests, j'ai pas regardé ce que ça disait. Après, moi, je suis jamais un mec pressé, vous savez, j'aime bien faire des petits trucs à droite à gauche de temps en temps, et puis on kiffe, c'est très contemplatif. Et puis, je le prends vraiment aussi comme une espèce de film interactif, entre guillemets, sur de longs passages, comme on l'a vu, parce qu'il y a des gens qui trollaient en disant, mais tu joues des fois ou quoi? Le début, vraiment, on a fait que jouer, puis il y a eu ce passage où on en prend un peu plus sur les persos, et c'est beaucoup plus contemplatif, donc c'est très bien, quoi. Non, c'est quoi, une quinzaine comme le premier à peu près, en ligne droite? Très bien, ça me va, franchement, ça me va. Je vais juste passer un très bon moment, et puis ensuite, on essaiera de débloquer tout ce qui est à côté, faire les quêtes annexes. 17 heures environ, la durée de jeu, ce sera très bien. Et les costumes, c'est vraiment du poulet, bien évidemment. Voilà pour mon petit avis là-dessus. N'oubliez pas qu'on continuera évidemment à partir de lundi dans la joie et la bonne humeur. Moi, je vais, en attendant, vous doutez bien, je vais aller sauvegarder au cas où en mode manuel. Sauvegarde manuelle, tiens. On est là. Nouvelle donnée de sauvegarde. Sauvegarde. Oui, c'est pourquoi ? Mais on y va ce soir ? Je comprends plus rien, moi. Oui, on ira demain, on s'en fout. Oui, sûrement, oui. Ouais, peut-être. Je sais pas, ça dépend à quelle heure. Tu vas à quelle heure? Ok. Arrête, c'est chiant. Non, tu me rejoins, de toute façon, en ville, il a dit ça. Je sais pas, ouais. Ouais, je te dirai. Y'a pas de je te dirai, tu viens. Et après, je t'ai vu sourire, là. Non. Prends ta voiture. Et demain, on prend ta voiture aussi. Bah si, puisque parce que t'as utilisé la mienne et que j'ai plus de charge, donc on peut pas aller. Il y a 40%, on pourra pas aller à Tours. Y a pas de chargeur sur la route. Non. Bah tu verras. Bah non, j'ai juste mon plein d'essence là pour le mois, tu rigoles ou quoi? Bah c'est fini. Non. Dommage. C'est fini.
Aïe, 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 dommage, dommage. Allez, je vais fermer ça. Je pars sur l'accueil, les gars. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Je passe en mode repos sur PlayStation 5.